revoir. Bonsoir à toutes et à tous. On va suivre ensemble sur Mediapart les résultats du premier tour de l'élection présidentielle à partir de 20h. Les estimations du premier tour et les réactions des candidats qui seront commentées par Fabien Escalona de Mediapart, mais aussi des chercheurs qui savent de quoi ils parlent. Nona Mayer, Florent Gougou, Anne-Cécile Douillet, Émilien Warvial, Manuel Cervera Merzal. À 19h30, nous commenterons l'estimation de l'abstention avec une autre chercheuse, elle s'appelle Anne Jadot, elle est spécialiste de l'abstention, et aussi Mathilde Goenec de la rédaction de Mediapart. Mais tout d'abord, retour sur une drôle de campagne, donc avec la rédaction de Mediapart, qui est mobilisée ce soir aussi sur notre site mediapart.fr, d'ailleurs qui est en accès libre jusqu'à ce soir minuit. Aucune excuse donc pour ne pas suivre les résultats de ce premier tour avec nous. Nous sommes donc en direct pour 3 bonnes heures. C'est parti. Et pendant cette émission, on est aussi avec le dessinateur Thibaut Soulcier. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Valentine. Tu as battu chaque jour la campagne avec nous sur Mediapart. Tu es donc dans ce studio. Tu réagiras aux résultats, mais aussi à ce qui se dit sur le plateau. Tu as d'ailleurs dessiné pendant cette journée de vote. On va voir deux de tes dessins qu'on a publiés aujourd'hui dans Mediapart. Ce premier dessin, notre fille est abstentionniste. La chance, la nôtre, est zémoriste. Oui, voilà. Parfois, peut-être mieux. Peut-être, parfois, il vaut mieux. Hélas, l'abstention est très forte. Et puis, un autre dessin qui symbolise pas mal la fin de campagne d'Emmanuel Macron, on va le voir, les assesseurs de McKinsey. Êtes-vous libre ce soir pour dépouiller les Français pendant encore 5 ans? Oui, bah, McKinsey, c'est le petit sparadrap que c'est Emmanuel ça. Macron n'arrive pas à débarrasser. Qui le lâche pas. Et là, en ce moment, est-ce que tu as déjà dessiné quelque chose ? Bah oui, on est tous au comble du suspense, même Ipsos, qui a envie de savoir à quel point ils se sont trompés cette année, quoi. C'est ça, on va voir. Bon, on ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer. Bref, retour justement donc sur cette campagne, Mathieu, avec nos 4 journalistes de la rédaction. Oui, Fabien Escalona du pôle politique, spécialiste de la gauche, tu es avec nous pour toute la soirée. On va te voir beaucoup ce soir. Hélène Salvi, tu as suivi les 5 ans d'Emmanuel Macron à l'Élysée et tu as couvert sa courte campagne présidentielle. Lucie Delaporte, tu as suivi la campagne de Marine Le Pen. Mathilde, tu as beaucoup raconté sur Mediapart l'importance de l'abstention dans cette campagne, la façon aussi dont elle pourrait influer sur le scrutin. Parlons-en justement, puisque l'abstention, on le sait, elle sera forte. La dernière indication qu'on a, les chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est participation à 17%, à 17h, pardon, de 65%. C'était 69,42% pour être précis en 2017. En gros, apparemment, l'abstention n'a jamais été aussi faible, aussi importante, pardon, depuis 2002. Elle avait été à l'époque historique, on s'en rappelle, c'est le fameux 21 avril avec l'extrême droite au second tour, en l'occurrence Jean-Marie Le Pen. On a des estimations selon différents instituts de sondage, IFOP, ELAB, Ipsos, qui nous parlent d'une estimation entre 24 et 26,5. Tout ça va être affiné, évidemment, et on attend les chiffres. 24, 26,5 d'abstention. D'abstention. Ouais. On attend les chiffres précis. C'est de toute évidence une abstention importante. Oui, c'est massif. Après, ça, si on reste dans cet étiage, ça reste 3 points au-dessus de 2017, où on n'avait pas si mal voté que ça, même si on s'est un peu habitué quand même à des niveaux d'abstention de plus en plus élevés. Et ça serait 3-4 points de moins que 2002, dont tu faisais un peu la chronologie tout à l'heure, c'est-à-dire un peu l'élection où ça a très sévèrement décroché pour après reprendre justement à cause du traumatisme de voir, sans que ça soit parfaitement corrélé, mais l'extrême droite au second tour en 2002. Donc voilà, c'est tout ça pour dire, c'est pas pour minimiser ce chiffre-là, mais simplement se rappeler que l'abstention, après avoir rebaissé en 2007, est repartie à la hausse de manière continue jusqu'à aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'illogisme d'une certaine manière à ce que on n'est pas non plus dans un scénario complètement catastrophique. Certains instituts de sondage, en tout cas certains phosphoraient sur une abstention à 30%. Donc voilà, là on passerait un nouveau cap. On est encore en dessous, c'est ça que je veux juste dire. Sur Mediapart, vous avez parlé, Fabien, Hélène, Mathilde, Lucie, d'une campagne introuvable. Pourquoi ? On a essayé de capturer ce moment un peu étrange dont on parlait entre nous et dont tous les gens parlaient entre eux. Il faut avoir l'impression d'une campagne qui démarrait presque jamais. Du moins, c'est l'impression
qu'il y avait. Donc on a essayé un peu d'expliquer les raisons de cette impression, tout en la nuançant, parce qu'il faut aussi rendre justice à des militants qui ont quand même été un peu sur le terrain, des thèmes qui ont malgré tout été abordés. Donc la campagne a quand même un peu plus existé et a été un peu plus dramatisée les derniers jours. Mais c'est vrai que sinon, elle a eu du mal à démarrer, bon, pour des tas de raisons que je ne vais pas tout redéplier là, mais bon, il y avait à la fois des facteurs politiques, hein, avec une issue qui semblait déjà écrite d'avance. Ça, je pense que c'est le point de comparaison avec 2002 par rapport à la question sur les chiffres. Hein, parce que déjà, 2002, on disait, ah, mais on connaît déjà l'issue, quoi, ce qui était moins le cas après. Donc là, il y avait cet aspect purement politique. Évidemment, les suites de la pandémie, qui avait déjà beaucoup abîmé les scrutins intermédiaires. Et puis évidemment, la guerre qui a écrasé la campagne pendant quand même plusieurs semaines et retardé davantage l'entrée d'Emmanuel Macron dans la compétition électorale. Mathieu ? Ouais, non, chacun, qu'est-ce qui vous a marqué dans la couverture des différentes personnalités que vous suivez, des différentes campagnes. Et Mathilde, toi, tu t'es beaucoup focalisée sur une autre personnalité politique, qui est l'abstention, justement. Un peu plus éthérée que voilà, mais dans beaucoup d'endroits en France, et on peut lire tous tes reportages sur Mediapart, peut-être à chacune, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans cette campagne, Hélène, qui suit Emmanuel Macron ? T'as écrit une campagne ratée. Ouais, bah c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est que en fait, il a commencé par ne pas faire campagne et puis ensuite il a continué en faisant une mauvaise campagne. C'est-à-dire que et d'ailleurs en interne il le disait aussi, il n'y avait pas vraiment de candidat. C'est-à-dire qu'il n'avait fait qu'un grand meeting qui était tout tourné autour de sa personne. Mais il n'y a pas eu, vraiment d'échange entre le candidat et y compris les militants et les militantes. Donc il y a eu beaucoup de frustration. En interne à La République En Marche. Et puis globalement, il y a eu, on en a beaucoup parlé, mais il y a eu aussi une interdiction d'une certaine façon de l'émergence d'un vrai débat entre les candidats et candidates sur demande d'Emmanuel Macron, qui a refusé toujours de débattre avec ses adversaires et qui a finalement fait qu'on n'a pas eu de rendez-vous politique, médiatique important qui aurait pu donner une forme d'élan à cette campagne. Et par ailleurs, ce qui était assez étrange dans la campagne d'Emmanuel Macron, et finalement c'est très appuyé au fait qu'il n'avait tellement aucun doute sur le fait qu'il serait au second tour, que tout était anticipé en fait pour mener campagne face à Marine Le Pen dans l'entre-deux-tours. Mais tout ce qui est campagne de premier tour, débat d'idées, confrontation du bilan et simplement développement du programme, il n'y a rien eu. Il a parlé pendant 4h30 pour présenter son projet à la presse. On n'en a absolument rien retenu. Des propositions les plus polémiques, justement. À part des propositions très à droite, ce qui fait que derrière, il a essayé... Les retraites et le RSA. Et ce qui fait que derrière, pendant son meeting, il a essayé de prendre le contre-pied complet en citant un slogan du NPA et de Philippe Poutou. Enfin, de bout en bout, il a bricolé trois trucs, mais qui n'ont rien donné. Et ce qui était d'autant plus fou, c'est qu'en tant que président sortant, sa parole s'est très vite démonétisée. La semaine précédente, la dernière semaine de campagne, il a multiplié les interviews dans différents médias. Et sincèrement, je mets au défi quiconque d'en retenir quoi que ce soit. Quel est le sentiment dans l'entourage d'Emmanuel Macron ces jours-ci, ces heures-ci là, est-ce que cette certitude finalement d'être très, très au-dessus, de dominer cette présidentielle est toujours... En fait, c'est très contrasté, comme l'entourage d'Emmanuel Macron est très contrasté. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont persuadées que c'est pas possible, que Marine Le Pen va l'emporter, etc. Il y a des personnes qui sont encore pleinement confiante jusqu'au bout en disant « mais non, on est les meilleurs, on est géniaux, de toute manière, c'est nous, et puis il n'y a pas d'autre voie possible ». En fait, c'est tellement une majorité hétéroclite où les gens ne s'aiment pas beaucoup, où ils ne partagent pas franchement grand-chose à part Emmanuel Macron, que du coup, c'est un peu parti dans tous les sens. Mais globalement, il y a eu quand même dans le noyau dur resserré autour du président de la République, il y a eu dans les derniers jours un petit frémissement, une petite fébrilité, une petite peur sur le fait que Marine Le Pen pourrait éventuellement soit être très au coude à coude avec lui, soit être devant. Alors justement, Lucie, toi qui as suivi la campagne de Marine Le Pen, qu'est-ce qui t'a marqué pendant cette campagne ?
Bah, c'était une campagne très étonnante pour l'extrême droite, qui s'est fait un peu à front renversé par rapport aux thématiques habituelles de l'extrême droite. C'est-à-dire que Marine Le Pen, qui est partie à l'inverse d'Emmanuel Macron très très tôt, parce que ça fait 2 ans et demi qu'elle a déclaré sa candidature. Donc c'était vraiment, au contraire, une stratégie un peu de la tortue. On avance tranquillement et aussi en dissimulant toutes les thématiques les plus dures de son programme. Donc c'était une campagne assez ennuyeuse qui nous ont voulu chiraquienne, c'est-à-dire qu'on fait des marchés, on serre des mains, on fait des selfies, on contrôle absolument la parole publique pour qu'il n'y ait aucun mot qui puisse prêter le flanc à la critique, qui puisse déclencher la polémique. Donc elle a un peu perdu les journalistes qui s'ennuyaient beaucoup à la suivre. On se demandait parfois pourquoi on la suivait, parce qu'il ne se passait rien à part prendre des jolies photos avec des agriculteurs, avec des pêcheurs. Enfin, c'était vraiment une campagne de voilà, et elle a quand même assez bien réussi à dissimuler la très grande brutalité de son programme. Et l'autre fait évidemment important, c'était qu'on a eu 2 candidatures d'extrême droite avec un débat, donc la candidature d'Éric Zemmour à partir de l'automne, et un débat focalisé, un débat public focalisé autour de toutes les thématiques de l'extrême droite. Donc Marine Le Pen n'a pas eu grand chose à faire entre Macron, qui ne faisait pas campagne mais qui l'avait déjà érigé comme sa principale adversaire, la candidate contre laquelle il fallait se battre. Et Éric Zemmour, qui a fait un peu le rôle de paratonnerre, c'est-à-dire que tous les médias se sont concentrés sur lui, sur ses outrances, Marine Le Pen a déroulé. Ouais, et d'ailleurs, donc tu dis la partie la plus brutale de son programme, s'est employée à la dissimuler. On peut lire dans Mediapart justement un article que tu signes, Le péril Le Pen, inventaire de ce qu'elle infligerait à la société, qui est une sorte de revue de tout ce qui pourrait advenir. Alors c'est pas moi, c'est la rédaction. C'est la rédaction. Avec au cœur du projet en 2 mots quand même, parce que c'est important, la question de la préférence nationale qu'elle veut faire passer par référendum très vite, qui reste le cœur du projet du RN. Voilà, et c'est vrai que c'est assez incroyable que pendant des mois on en ait si peu parlé, alors que c'est vraiment la structure fondamentale de son programme, et ce pourquoi d'ailleurs les gens vont voter pour elle en partie. Donc c'est vrai que c'est une mesure qu'on a souvent balayé un peu en se disant elle est inconstitutionnelle, ça ne bossera jamais, elle ne l'appliquera jamais. Or, Marine Le Pen a beaucoup travaillé. D'abord, elle a des exemples maintenant au niveau européen, à la Viktor Orban, de gens qui savent très bien comment habiller de façon légale justement des espèces de coups de force institutionnels. Donc tout ça est quand même assez bien préparé. Donc ce serait, voilà, il faut rappeler que si Marine Le Pen est élue, effectivement, ce sera un basculement démocratique évident, puisqu'elle sera en rupture avec tous les traités internationaux, elle sera en rupture avec la Déclaration européenne Déclaration des droits de l'homme. Enfin voilà, c'est vraiment un projet extrêmement brutal, mais qu'on a un peu vite remisé en le considérant comme elle a été considérée pendant très longtemps comme un programme d'amateurs qui n'était pas prêt, d'un parti qui n'était pas prêt à gouverner. Donc il y a ça. Et puis il faut aussi rappeler son programme sur ce qu'elle appelle la lutte contre l'islamisme, et là qui contient quand même des éléments liberticides assez monstrueux sur la pratique de l'islam. Ce serait vraiment... Et là aussi, elle n'en a jamais parlé. Parfois en fin de meeting, il y avait quelques allusions, mais ça a été quand même aussi une campagne de dissimulation. C'est-à-dire qu'on envoie des petits signaux à son électorat, mais on arrive à avancer masqué. Elle a avancé masqué. Mais malgré l'existence de ces éléments dans son programme, ce qu'elle a plutôt eu comme réponse, notamment du côté du gouvernement, c'est Gérald Darmanin notamment, vous êtes trop molle, Madame Le Pen. Oui, en fait, c'est ce que j'expliquais quand je disais que Emmanuel Macron a tout de suite désigné Marine Le Pen comme sa principale adversaire, et en fait, ça a induit absolument toutes les dernières années du quinquennat, mais même à partir de 2018. Ce qui est assez fascinant, en fait, c'est de voir que à partir du moment où Emmanuel Macron a eu son premier vrai gros problème, à savoir l'émergence du mouvement des Gilets jaunes, il a pris le parti de déporter les questions sociales sur les questions identitaires. Et c'est un mouvement qui a été vraiment très, très à bas bruit, très au fond, mais ça a commencé dès fin 2018 quand il dit « on a un problème avec notre identité » alors que personne ne parle de ça dans la rue. Il est question de pouvoir d'achat et d'élan démocratique, mais pas tellement d'immigration. Et d'ailleurs, ils s'en rendent tellement compte
qu'ils essaient de le mettre dans le grand débat comme thématique et que ça arrive dans les préoccupations vraiment dernières des Français et Françaises. Donc, mais ils continuent. Et ils continuent sur l'immigration. Gérald Darmanin fait partie des ministres qui, en fait, ont énormément contribué à réinstaller, en fait, les sujets identitaires dans le débat public. On a oublié avec le temps, mais on a fait, là, dernièrement, un peu la liste sur Mediapart. C'était la question des listes communautaires, c'était la question du voile, c'était la question... Bon, bref, c'est arrivé comme ça. Et finalement, ça s'est installé de telle façon que Marine Le Pen étant la principale adversaire, y compris au sein de l'exécutif, on l'a trouvée un peu molle. On trouvait que finalement, socialement, c'était pas inintéressant, qu'elle était devenue un peu à droite. Et ça s'est renforcé avec l'arrivée de Zemmour, qui, au sein de l'exécutif, est arrivé comme l'épouvantail, mais pour énormément de gens. Du coup, tout le monde s'est focalisé sur Zemmour, et Marine Le Pen, pendant ce temps-là, a continué son chemin. Et Thibaut Soulty a fait un dessin sur la candidature de Marine Le Pen. Est-ce qu'il est tout en dessous de la pile? Ah oui, pardon. Moi, ah oui, c'est son programme pour une France comme avant. C'est des petits chats acromignons partout. C'est ça. À dents de sabre. Voilà. Ça résume ce que dit Lucie sur la campagne de dissimulation. La campagne chat et selfie. Oui. Voilà. Mathilde, toi, ton le fait marquant de ta campagne, c'est l'abstention. Qu'est-ce qui t'a frappé quand dans les reportages que tu as pu faire où tu as pu rencontrer en fait des électeurs, différents visages des non-électeurs, exactement. Oui, bah, je repensais en fait en préparant là ce soir un reportage que j'avais fait avant les régionales en réalité à Chalon-sur-Saône, et donc j'essayais de me souvenir des ressorts à ce moment-là de l'abstention. C'était très clairement on ne comprend pas les enjeux, ça ne nous intéresse pas, et puis vraiment, on va faire autre chose. Et un peu de la politique, ça ne change pas la vie. Bon, c'était un peu différent, la tonalité, avant l'élection présidentielle, puisqu'on n'était pas du tout sur une méconnaissance des enjeux. En réalité, l'élection présidentielle, c'est vraiment l'élection la plus claire, assez simple à comprendre, etc. Il s'agit de trouver un candidat, une candidate. Mais c'était plutôt, pour le coup, là, on a vu revenir un peu à plein le côté les politiques ne nous entendent pas, ne nous écoutent pas, notre vie n'a pas changé, quelle que soit notre manière d'aller au vote, finalement, rien ne bouge. Alors, c'est particulièrement vrai pour les quartiers populaires, mais c'est aussi vrai finalement dans des milieux plutôt aisés. On avait choisi d'aller dans le Bas-Rhin, qui est en Alsace, le taux de chômage est à 6%. Enfin, je veux dire, c'est un peu un petit paradis socio-économique. Et là, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que l'abstention est vraiment un simple recul doux, quoi. C'est-à-dire, on s'y intéresse pas et on n'a pas vraiment de raison, en fait. Ça m'a un peu marqué. Et puis la dernière chose sur les dernières semaines, c'est évidemment l'importance ou la tétanie un peu induite par les enjeux internationaux. La guerre fait très peur, donc éventuellement on va se reporter sur un vote de stabilité, de confiance, celui du vote de l'État, ou alors au contraire ça va nous pétrifier et nous renvoyer justement dans une posture passive vis-à-vis des échéances électorales, quoi. Donc en fait, ce que ça m'inspire, c'est que il n'y a pas une recette entre guillemets ou à l'abstention. C'est, ça se nourrit quand même, tout comme le vote en réalité, du contexte et de la compréhension des enjeux. L'abstention, donc on peut rappeler l'estimation à ce stade, on est entre 25 et 26,6% d'abstention d'après donc les instituts IFOP, ELAB et Ipsos. Voilà la fourchette. Donc c'est quelques points de plus qu'en 2017. Le taux d'abstention était de 22,2% et c'est quelques points de moins que le record 5e République, on va dire, de 2002, donc le séisme 21 avril, où l'abstention était à 28,4%. On parle de la gauche ? La gauche. Ouais, on parle de la gauche comment un petit la peu, gauche, Fabien. La on l'a vu, Jean-Luc Mélenchon, depuis plusieurs semaines, maintenant fait un appel au vote barrage en sa faveur. Il a commencé sa campagne très très tôt, il y a un an et demi, en novembre 2020, le premier, avec le pari de prendre le leadership à gauche. On verra ce soir ce qui se passe, mais d'une certaine façon, il semble avoir au moins
réussi ce pari-là. Alors reste à savoir si c'est finalement, est-ce que c'est intéressant pour la suite ou pas, mais en tout cas, au moins ce pari-là, avec de nombreuses personnalités, par exemple, qui ont pris position pour appeler à voter pour lui, pour battre l'extrême droite au premier tour, et puis qu'il soit qualifié pour le second tour. Oui, c'est vrai que ces dernières semaines et même derniers jours, quand on a eu une série quand même de déclarations, de personnalités non encartées qui tout d'un coup appelaient à le soutenir, alors qu'a priori, elles n'avaient pas d'affinité évidente avec Jean-Luc Mélenchon. On sait que c'est quelqu'un qui clive beaucoup, y compris à gauche, avec cette perspective qu'il est le mieux placé de toute façon, et donc que si on veut éviter Marine Le Pen au deuxième tour, il faudrait voter pour lui. Bon. Et ça, c'est vrai que ce n'était pas un scénario écrit d'avance. Hein. Il part de beaucoup de péripéties. Il y a un papier de notre Pauline collègue Groll, Pauline Groll qui raconte un peu comment il a chuté plusieurs fois avant à chaque fois de remonter. Alors ceci dit, ça avait déjà été le cas entre 2012 et 2017. Beaucoup le disaient mort, cramé, deux ans avant l'élection, puis il finissait à 19,5. Là, on va voir le score qu'il atteint là. Mais en tout cas, ce sera un score assez élevé, un score à deux chiffres, alors que ce n'était pas ce qui lui était promis il y a plusieurs mois. Donc effectivement, il y a une dynamique de campagne qui ne s'est pas faite d'ailleurs que par des anticipations de sondages. Nous, on l'a raconté d'ailleurs en montrant que c'était aussi la campagne la plus professionnalisée, celle qui était capable de plus créer les événements, des rassemblements massifs de personnes, la plus étayée par un programme aussi. C'est quand même, je pense, le candidat qui a le programme, on en pense ce qu'on veut ou pas, mais il y avait des dizaines de pages de livrets, de plans sur des tas de sujets. Donc on peut dire que la mécanique était rayée au bout, il faut quand même le rappeler, de la troisième candidature. Donc il y a un phénomène quand même d'expérience. Non, c'est juste parce que je trouve que c'est important de noter aussi que cette campagne-là, en fait, les médias, enfin la sphère médiatique un peu mainstream, disons, n'a pas vraiment joué le jeu. Hein, on s'en est bien rendu compte. Enfin, d'abord, a été contrainte par le fait que le président ne voulait pas participer au débat. Donc il n'y a pas eu de débat vraiment fort, en tout cas pas eu de moment fort télé comme on peut en voir. Et je trouve que la campagne de Mélenchon a un peu fait ce pari là, plutôt réussi, je ne sais pas s'il sera gagnant, mais plutôt réussi, de vraiment jouer le terrain. Faire une campagne de terrain un peu à l'ancienne, sans espérer justement ces moments un peu de coup d'éclat télévisuel, quoi. Et ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire, on est un peu revenu sur des formules, gros meeting, gros. Enfin voilà, c'était aller convaincre les gens un peu un par un, quel que soit en fait le cadrage médiatique qui avait été posé. Voilà, alors après, la limite de ça, on en parlait un peu avant l'émission, c'est que dans les 5 ans écoulés, on a parlé de rechutes, de relèves, etc. Mais ce qui est important, c'est que l'appareil lui-même de la France insoumise, c'est assez peu construit sur le terrain, avec assez un peu d'ancrage de terrain. Donc c'est quelque part, c'est comme si à chaque fois, à chaque nouvelle élection, il fallait repartir, pas tout à fait de zéro, parce qu'il est connu des gens et tout, mais quand même, il n'y a pas les structures qu'avaient les grands partis d'antan, sauf que eux-mêmes, ces grands partis d'antan, ne sont plus capables en fait de faire ces grandes campagnes. Ils sont plus capables de mobiliser comme avant. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est lui qui sort son épingle du jeu à gauche, quoi. Est-ce que Thibaut a dessiné ? J'ai essayé. J'ai fait une tortue qui était portée par une ferveur populaire. Oui, c'était bizarre, le mot de Mélenchon sur le fait qu'il serait une tortue sagace. C'était d'abord un trou de souris, puis une tortue. On était beaucoup dans le registre animalier. C'est animalier. Progresser lentement, mais sûrement vers les cimes électorales. On saura ça dans 30 minutes. Dans 30 minutes. Merci à tous les quatre pour ce premier cadrage. Hélène, Lucie, Fabien. Alors Fabien, tu reviens. Hélène, Lucie, on va vous laisser aller travailler puisque vous allez avoir pas mal de boulot dans les prochaines heures puisque la présidentielle, c'est aussi sur le site évidemment de Mediapart avec toutes les infos dès ce soir sur cette présidentielle. Vous pouvez d'ailleurs lire le site en accès libre jusqu'à minuit, donc profitez-en pour nous découvrir et vous abonner. Mathilde, on va rester ensemble. Et dans un instant, on va accueillir la chercheuse Anne Jadot pour poursuivre cette discussion autour de l'abstention, parce que l'abstention, c'est important d'en parler. Oui. On l'oublie souvent dans la discussion. Et avant, on va voir le reportage que Bérénice Gabriel et Louis Sibylle ont tourné récemment avec 3 jeunes électeurs qui votent pour la première fois. Ils sont très jeunes et pourtant, ils sont assez peu enthousiastes avant un vote qu'ils vont faire ou pas. En tout cas, sans trop d'illusions. On regarde.
On a un peu voulu savoir s'ils allaient voter, ce qu'ils attendaient de cette élection présidentielle, et surtout on voulait un peu voir quelle était la vision du monde politique actuel, enfin leur vision du monde politique actuel. Pour la première étape, avec Louis Sibylle, on s'est rendu à Nantes, en Loire-Atlantique. Nous avons rencontré Gabriel, il a 18 ans, il est étudiant en licence d'histoire. Son combat, c'est le climat. Il a rejoint le mouvement Youth for Climate de la ville. Il nous a donné rendez-vous sur la place Royale, où il a mené plusieurs actions. On peut remarquer qu'il y a plusieurs banques autour de la place. Les banques vont se servir de l'argent qu'ils ont à disposition pour financer des projets écocidaires. Donc nous, on voulait juste dire aux gens, vos banques financent aussi des énergies fossiles, des projets dévastateurs pour l'environnement. Donc on avait entre autres organisé un petit dying. On avait répandu du faux pétrole sur les devantures et tout ça. Et donc, on avait des jeunes de Youth for Climate de toute la France. Et voilà, c'était bien sympa. Ce militant du climat croit en la désobéissance civile. L'activisme et le militantisme, ça m'a permis de ne plus me sentir démuni face à certaines situations et de me dire que je me bats pour des choses qui me révoltent. Gabriel a donc choisi son mode d'engagement qu'il considère plus efficace pour changer le système qu'un simple vote. Pourtant, dimanche, il se rendra aux urnes sans trop y croire. Le vote, je le sacralise plus du tout. Et j'ai un problème, c'est-à-dire que je suis parti du principe que j'allais voter au premier tour de ces présidentielles. Mais dans un sens, je me dis, est-ce que ça aura vraiment une réelle utilité? Je ne sais pas. Mais je pense que ce sera probablement la dernière fois que je voterai. Pour moi, il y a un problème dans la société et dans les institutions qui fait que ce soit n'importe quel candidat qui soit élu, il y aura toujours des problèmes de fond très importants. Gabriel votera Philippe Poutou, l'occasion de discussion avec Angèle, une amie de Youth for Climate. La jeune femme s'apprête elle aussi à voter pour la première fois et son candidat, elle ne l'a pas choisi par conviction. On vote un peu par dépit parce que le candidat ou la candidate pour laquelle on va voter, bah, c'est pas forcément celle qui nous correspond le plus. Bah, moi je pense voter pour France Insoumise, même si je suis pas entièrement d'accord avec tout ce que Jean-Luc Mélenchon propose et le personnage. Ouais, moi aussi ça a été très compliqué. Hein. Je me suis posé la question du vote utile, concrètement. Moi, c'est plutôt pour ça aussi que je vote Jean-Luc Mélenchon, c'est le vote utile. C'est horrible de dire ça alors que c'est notre première élection. Peut-être que je devrais faire comme toi et voter vraiment pour mes convictions. Je sais pas, parce que dans tous les cas, on va être déçus en fait. Un premier vote utile et une campagne présidentielle loin de leurs préoccupations. Quand on voit Éric Zemmour dire que pour lui, la première crise, c'est la crise migratoire et pas la crise écologique, on se demande dans quel monde ils vivent, en fait. Et là, il y a eu le rapport du GIEC qui est sorti. On nous dit que c'est fichu, qu'on ne pourra plus faire machine arrière, qu'on est en train de causer notre perte. C'est dramatique et personne n'en parle. Et nous sommes aussi allés dans le sud de la France, à Mazubi, dans l'Aude, où on a rencontré Luigi. Il a 21 ans, il est éleveur de vaches gasconnes. Il y a 2 ans, il a repris la ferme de son patron, ce qui aurait été impossible sans l'appui de ses parents, eux-mêmes éleveurs, dans une ferme voisine. Mes parents avaient déjà une société, des emprunts en cours, un truc qui fonctionnait. Quoi. Ça permet d'emprunter un peu plus et d'agrandir l'exploitation, c'est ce qu'on a fait. Mais on ne pouvait quand même pas acheter le foncier, donc on a acheté que les vaches et le matériel. Donc on est locataire du foncier, propriétaire des vaches. Il y a énormément de fermes aujourd'hui qui touchent des aides et qui n'en ont pas besoin. Donc moi je pense qu'il faudrait contrôler plus ça et pour donner ces aides en trop à ceux qui en ont besoin pour s'installer. Luigi travaille seul sur l'exploitation. L'hiver, ses journées commencent à 8h et se terminent à 20h. La basse saison pour lui, l'été, il est sur l'exploitation de 7h à 22h. Et malgré tout, les fins de mois sont difficiles. Aujourd'hui, l'entreprise me verse 1200 euros par mois, donc le SMIC. Et avec ça, je dois payer des emprunts fonciers privés, l'emprunt de ma voiture, puis mes courses et tout ça. Et je en profite très peu et tous les mois, je suis à zéro. Quoi. Donc, je peux pas économiser. Je vis encore sur une maison de famille. Je n'ai même pas de quoi la rénover, c'est une maison ancienne. Il me faudrait faire un autre crédit, mais je peux pas.
Luigi a suivi les débats, regardé la presse pour se faire une idée du candidat à qui il donnera son premier bulletin de vote. Je pense que je vais voter Jean Lassalle, parce qu'il est de la campagne et voilà, il a un peu les valeurs du terroir, il est marrant. Oui, pour moi, c'est un des plus... sincères, hein, je pense. Les autres, du coup, on dirait plus qu'ils sont voilà, en train de jouer un jeu. Ils veulent être élus. Et, comme je disais, ils sont... Ils s'amusent, on dirait. Enfin, nous, c'est l'impression qu'on a. Et encore, moi, je vais y aller, mais beaucoup de mes amis, je vois beaucoup plus de jeunes, ils s'en foutent complet. Excusez-moi du mot, mais c'est le cas. Il y a très peu de jeunes qui sont inscrits, qui vont aller voter, ou alors qui ont un seul intérêt. Ou alors c'est pire, ils vont être dans l'extrémisme. Des candidats qui ont du mal à parler à la jeunesse du monde rural. La politique aujourd'hui, par rapport aux jeunes, je vous le dis, on est très peu impacté, encore plus dans le monde rural. Si on veut sortir au restaurant, c'est minimum 100 km, donc c'est très rare. Ah ben, enfin, voilà, les boîtes, il ne faut même pas y penser, c'est trop loin aussi. Il y a les fils agriculteurs comme moi qui restent là, qui aiment le métier. Et tous les autres, ils s'en vont faire des études à Toulouse, Perpignan, Narbonne, pour avoir leurs études et trouver un travail plus tard. Ici, il n'y a pas de travail. Luigi se rendra aux urnes dimanche pour le premier tour, mais lui non plus n'attend pas grand-chose de cette élection. Le vote, il ne changera rien. Là, si on regarde... Avec deux tours en France, à 50% le président il peut être élu. Donc ça veut dire 50% des Français. Enfin, je ne trouve pas ça très juste, quoi. Pas vraiment démocratique, je dirais. Et pour finir, nous étions à Paris, dans le quartier populaire de Belleville, où vit Mathieu. Il a 22 ans, il est ingénieur du son, autodidacte et indépendant. Ce passionné de musique écrit aussi du rap depuis ses 15 ans. Dans sa chambre d'enfance, il a entièrement créé un studio d'enregistrement pour subvenir à ses besoins d'étudiants. Je mixe pour des clients qui viennent réserver sur ma page Insta. Après ça, ils viennent, ils enregistrent, je mixe et ils sortent leurs choses. En parallèle, Mathieu passe en BTS Commerce International en candidat libre. Parce que j'ai raté mon BTS l'année dernière de 0,50. Je me dis aussi avoir un bac plus 2 dans la vie, si je veux reprendre les études ou si je dois reprendre les études, je recommence pas à partir du bac. Mathieu a grandi dans ce quartier populaire de Paris où il a été régulièrement confronté au contrôle de police. Comme beaucoup de ses amis, il fréquente l'association Pas à Pas qui apporte une aide juridictionnelle et pas que aux jeunes du quartier. Bah, c'est comme une MJC avec deux choses en plus. Des avocates et des règlements de problèmes. C'est tout. Quel genre de problème ? Discrimination sociale, discrimination au travail, délit de faciès. Le local nous a aidés, a fait des choses pour nous. Ils ont cru en nous sans qu'on demande des choses, tu vois. Des discriminations qui l'ont dégoûté de la politique. C'est affligeant comment ils aiment bien prendre nos votes. Mais ils n'aiment pas mettre en place ce qu'ils nous ont promis, tu vois. Et aujourd'hui, tu vas dans quasiment... Si tu parles aux gens qui font l'esprit du quartier, personne ne va voter, ça sert à rien. Nous, les lois, on les subit. Ça, c'est clair, on les subit. On ne vit pas avec, on les subit, ouais. Et pour Mathieu, la plupart des candidats à la présidentielle ne semblent pas vouloir changer ce système discriminant. Le programme n'est porté que sur l'immigration, c'est... Zemmour, le grand remplacement, Valérie Pécresse sur l'islam, Macron, il se cache, et Marine Le Pen, elle joue de l'image de Zemmour, tu vois. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est pour ceux qui vivent... pour ma mère, tu vois, qui vit à Belleville, qui, ça se trouve, dans 10 ans ou dans 9 ans, 8 ans, tu vois, qui sera toujours là, mais qui sera délogée parce que le quartier s'est gentrifié. Tu vois, en fait, cette question de l'égalité des chances, surtout. Moi, c'est ça qui m'importe. C'est une question d'inflation. D'inflation, ça, c'est clair, la crise économique. Là, maintenant, ça parle pour nous. Alors qu'il y a 5 ans, ça ne parlait pas pour nous. On s'en foutait. Et même si Mathieu ne veut pas voir l'extrême droite passer, il n'est pas sûr de se déplacer dans son bureau de vote dimanche. Je suis plus dans m'abstenir de voter que donner ma voix à quelqu'un. Il y a plus un candidat qui me parle, c'est Mélenchon, mais je ne me sens pas plus représenté que ça. Ou Poutou. Dans son truc de travail, là, mais sinon, non. Mélenchon, demain, il va pas changer un fonctionnement social, tu vois.
Il n'a pas changé le capitalisme, il n'a pas changé le fait que Bolloré, il a tous les pouvoirs en main à Paris, enfin en France. Il ne va pas changer la richesse de Bernard Arnault, tu vois. Voilà, reportage signé Bérénice Gabriel pardon, et Louise Sibylle. Vous êtes donc sur le plateau de Mediapart. Anne Jadot nous a rejoint. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lorraine et vous êtes spécialiste de l'abstention. On va beaucoup en parler. Et toujours donc avec nous, Mathilde Gohanec de la rédaction qui a beaucoup raconté ces électeurs qui ont décidé de ne pas forcément aller voter, etc. De plus être électeur, en fait. Je les récapitule, ces chiffres de l'abstention, rapidement. On est sur une fourchette entre 25 et 26,5% d'abstention selon trois instituts de sondage, donc IFOP, ELAB, Ipsos. Donc une abstention plus forte de quelques points qu'en 2017, mais un petit peu moins forte que le taux historique sous la Ve République de 2002, qui était d'un peu plus de 28%. On va parler de l'abstention générale, mais puisqu'on sort d'un reportage qui concerne les jeunes, les primo-votants, peut-être vous pouvez nous dire un petit peu comment traditionnellement se comportent les jeunes, donc soit les 18-24 ou les 25-30, dans les élections en général, mais surtout la présidentielle. Alors, dans les élections en général, la jeunesse se caractérise encore plus que tout le reste de l'électorat par le phénomène de l'intermittence du vote. Ça veut dire qu'il ne faut pas les imaginer qu'ils ne votent jamais ou qu'ils votent systématiquement comme leurs aînés qui avaient des réflexes de sentiment de devoir de vote ou de droit de vote qu'il fallait honorer en l'accomplissant. C'est des catégories d'âge qui se sont un peu affranchies de ce systématisme, en quelque sorte, mais encore plus que les autres tranches. Et on peut avoir 30 ou 40 points d'écart entre la présidentielle et les législatives, par exemple. C'est vraiment des montagnes russes. Mais la présidentielle continue quand même à être le plus mobilisateur des scrutins, même dans cette catégorie d'âge-là. De mémoire, il y a 58% des 18-30 ans qui ont voté à la présidentielle en 2017. Par contre, les législatives, c'est le désert absolu pour cette tranche d'âge-là. Donc, ils sont très intermittents. Ce sont aussi des catégories d'âge pour lesquelles il ne faut pas imaginer que ne pas aller voter signifie qu'ils seraient apolitiques ou qu'ils ne seraient pas intéressés par la politique. On le voit dans le reportage d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment des catégories pour lesquelles s'exprimer en tant que citoyen, ça peut passer par d'autres modalités, par des manifestations, par des grèves, par des pétitions, par le boycott par exemple. C'est des modalités auxquelles ils adhèrent pas mal en fait, en général. Après, il faut bien faire des différences. La jeunesse, c'est pas non plus un tout homogène. Vous avez des jeunes en études, vous avez des jeunes actifs, vous avez des jeunes au chômage. Donc il faut pas non plus réifier cette catégorie et la voir comme quelque chose de surplombant en oubliant qu'il y a la sociologie. Et est-ce qu'on sait juste si l'inscription automatique a eu des effets en fait sur ce segment-là? Alors, les effets sur la liste, voilà, la liste électorale. Désormais, quand on a 18 ans, on est automatiquement inscrit, plus besoin de faire la démarche. Alors ça, c'est une conséquence de la dissolution de 1997. Comme c'était une année qui n'était pas censée être électorale, il y avait à peu près 700 000 jeunes qui ne s'étaient pas inscrits fin 1996 et qui n'ont pas pu voter aux législatives quand Chirac a annoncé la dissolution. Donc la réforme a eu cours à la fin des années 90, elle a des effets progressifs. On peut considérer que tous les 18-30 ans de nos jours ont été inscrits automatiquement, en effet. Selon les communes, ils le sont vraiment jusqu'à recevoir leur carte d'électeur chez eux ou ils reçoivent une invitation à aller la chercher. Donc ça leur est signifié qu'ils sont inscrits, qu'ils peuvent aller voter systématiquement. Mais ils n'ont pas forcément envie de voter. Et la conséquence paradoxale, il y a deux conséquences à cette inscription automatique. C'est que ça a probablement nourri de quelques points, un ou un point et demi peut-être, l'abstention. Parce que avant, les jeunes qui étaient inscrits sur les listes avant la fin des années 90, c'était suite à une démarche personnelle et volontaire. Ils étaient même sur-participants. Il y avait l'enthousiasme du premier vote. Et après, ça retombait à la vingtaine et il fallait attendre la fin, la trentaine à peu près, quand on s'installe, éventuellement on devient propriétaire, on a des enfants, etc., pour rattraper les niveaux de participation. Là, désormais, les jeunes ne l'ont pas choisi. Donc une partie est abstentionniste. Ça a aussi créé des inscrits. Alors j'ai des collègues qui parlent de mal-inscription. Moi, je préfère parler de inscrits ailleurs. Parce qu'une partie des inscrits ailleurs le font volontairement. Soit des gens qui ont une résidence secondaire, soit dans le cas de la jeunesse, des étudiants qui partent ailleurs que le domicile de leurs parents où ils ont été inscrits à 18 ans, qui ne savent pas trop ce qu'ils vont devenir dans la vie, qui savent qu'ils vont déménager plusieurs fois. C'est plus facile pour eux de rester inscrits au domicile familial. Du coup, ça nourrit aussi une partie de l'abstention s'ils ne prennent pas la peine d'y retourner le dimanche venu ou de faire une procuration.
sur les chiffres dont on a parlé, tandis que je vois Thibaut qui est en train de dessiner, on aura bientôt un dessin, sur les chiffres de l'ascension qu'on annonce ce soir, étant entendu que ce que vous avez dit sur justement les gens qui sont inscrits automatiquement sur les listes électorales, est-ce que vous vous dites quoi, poursuite de cette finalement, cette grosse problématique de l'abstention, est-ce que ce sont des chiffres qui vous font dire qu'on peut attendre des choses particulières dans ce scrutin? On l'a dit, hein, c'est quand même vraiment pas de bons résultats, c'est pas 2002, mais enfin c'est quand même un très mauvais score par rapport à ce qu'on a vu dans les dernières élections présidentielles. Alors effectivement, on n'est pas loin du record de 2002. On est déjà peu ou prou au niveau du second tour de 2017. Et 2017 était une élection intéressante de ce point de vue, parce que c'était la première fois depuis 1969 qu'on votait moins au second tour qu'au premier. Et si on ajoute tous ceux qui sont allés voter au second tour dans la configuration Macron-Le Pen et qui ont mis un bulletin blanc ou un bulletin nul, c'est un tiers des inscrits qui n'ont pas choisi dans cette configuration-là. Je ne sais pas du tout ce qui... Probablement qu'il n'y aura pas beaucoup de votes blancs nuls dès le premier tour. Au second tour, il risque d'y en avoir énormément. C'est une élection qui n'a pas suscité d'enthousiasme à cause de l'offre politique? Alors, il y a plusieurs raisons qui s'additionnent. Si on regarde du côté des raisons politiques conjoncturelles, je dirais que ça a même commencé il y a plusieurs mois. La dernière fois, il y avait des élections, des primaires. Il y avait beaucoup de débats télévisés par rapport à ces primaires qui avaient été énormément suivis. Et les primaires, elles étaient organisées avec des bureaux de vote réels. Ça suppose toute une organisation, tout un maillage du territoire avec des militants. Ça peut déclencher un phénomène d'intérêt. Nous, on l'a vu dans une enquête avec des collègues Médias Élections, les primaires peuvent être un déclencheur de l'intérêt pour l'élection présidentielle. Là, cette année, on n'a pas eu ça du tout. On a plutôt eu des débats sur comment est-ce qu'il fallait choisir le candidat chez les LR, à la primaire populaire, des candidats de gauche qui allaient ou pas y participer. Ce n'est pas quelque chose qui déclenche l'enthousiasme. On a bien sûr la problématique du Covid en arrière-plan. On a la guerre en Ukraine en plus. On a un président qui s'est déclaré candidat très tard, qui a peu fait campagne, et on a une offre qui peut-être ne déclenche pas l'enthousiasme. C'est ça qui est paradoxal et qu'il faut comprendre. Parfois, plus on a de candidats, plus on a d'abstention. On pourrait penser, chacun peut trouver chaussure à son pied, parce qu'il y a plus d'offres, de la diversité, mais ça peut créer de la confusion, voire, pour une partie des électeurs de gauche, de l'énervement qu'ils n'aient pas réussi à faire candidature commune. Donc ça peut être des désincitations en quelque sorte, à aller voter. Et dans ces cas-là, on sait que la sociologie marche fortement, que les catégories plus aisées, plus insérées, c'est à la fois des gens qui votent plus, qui pensent plus à faire procuration s'ils savent qu'ils seront en vacances, donc qui s'organisent en amont pour pouvoir participer. Donc, il risque d'y avoir des écarts sociologiques qui se creusent entre les catégories. C'est pas pour rien que ces dernières semaines, les candidats ont beaucoup axé sur cet appel au vote, pas seulement au vote utile ou pas vote utile, mais juste allez voter, mobilisez-vous, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, mais même Emmanuel Macron l'a fait. Oui. Parce qu'il peut y avoir une tendance à la démobilisation en pensant que les choses sont jouées d'avance. On a tendance à souvent dire, c'est peut-être une idée reçue, peut-être vous allez pouvoir nous éclairer, que l'abstention profite à l'extrême droite, souvent. C'est faux. Et donc, à qui est-ce qu'elle va desservir à un camp plus qu'un autre, cette abstention ou... Alors, il y a eu le cas particulier de 2002, où dans un contexte de très faible participation, 28,4% d'abstention, de manière différentielle, l'extrême droite s'était plus mobilisée. Disons qu'ils avaient moins perdu leurs électeurs vers l'abstention. Mais je crois que de mémoire, ils ne progressent que de 400 000 voix, Jean-Marie Le Pen, entre 1995 et 2002. Ouais. Mais Lionel Jospin doit perdre quasiment 3 millions. Donc, dans ce contexte-là précis de 2002, l'extrême droite s'est plus mobilisée que les autres. Mais d'une manière générale, quand il y a une forte abstention, ça pénalise l'extrême droite. On l'a vu au régional. Ils ont été incapables de gagner aucune région. Alors, je crois qu'on peut montrer l'abstention depuis 1995. Donc, on a là les chiffres. Donc, on voit qu'il y a ce pic de 2002, mais que sinon, depuis 2007, finalement, elle ne fait... Alors là, c'est pour le premier tour. Elle ne fait qu'augmenter de 4 points, de 2 points, là, à nouveau de probablement 3-4 points. C'est une sorte de tendance de fond qui...
qui désigne quelque chose en termes de comportement politique des électeurs, de lassitude ou... Disons que ça peut être tentant de voir une forme de tendance, mais il y a les second tours qui s'intercalent et toutes les autres élections qui s'intercalent. Et parfois, on a une surprise. Je me souviens d'avoir été sur votre plateau le soir des Européennes en 2019. Mmh. On était tous estomaqués que ça participe beaucoup plus que la fois d'avant, beaucoup plus que ce qui était attendu. Mmh. Il faut savoir que pour les sondeurs, c'est très compliqué de pronostiquer l'abstention. Et d'ailleurs, quand ils font des estimations de l'abstention, ce n'est pas sur la base du déclaratif ni de ce que les répondants donnent dans les intentions de vote. En général, ils posent la question en demandant sur une échelle de 0 à 10 est-ce que les gens sont sûrs d'aller voter ou pas. Quand ils publient leurs intentions de vote, c'est uniquement sur les notes 9 et 10 et certains de leurs choix. Donc ils filtrent en fait. Okay. Et quand on regarde le combien les instituts ont de gens qui leur disent « je suis certain ou presque d'aller voter », ça tournait entre 75 et 80% lors des dernières enquêtes publiées début avril. Non pas que les gens mentent ou que les gens s'illusionnent sur ce qu'ils feront eux-mêmes quelques jours plus tard, c'est juste que dans les sondages, il y a une surreprésentation des gens qui participent. Mmh. Il y a un phénomène d'autosélection à accepter de participer à un sondage. Ouais. Donc en fait, quand ils ont dit ces derniers jours ou encore dans la journée qu'ils estiment l'abstention entre 25, 26, 27, ou il y en avait certains qui la mettaient plus haut il y a quelques jours, c'était encore beaucoup plus haut que ce que leurs propres chiffres de sondage leur disaient. Mathilde ? Non, ce qui je trouve c'est assez intéressant à regarder, même si vous avez raison, il y a des accidents électoraux heureux ou malheureux, on pense aussi aux municipales qui sont normalement une élection très mobilisatrice il y a 2020, mais il y a eu d'autres exemples en fait où la participation était faible alors que normalement on vote dans un échelon très local, on connaît le personnel politique, etc. Ce que je trouve intéressant, c'est que néanmoins on a quand même des taux, notamment législatifs, je pense que vous êtes d'accord pour le dire, qui deviennent un peu faramineux. Et ça ne provoque pas de réaction. Ça ne provoque pas de réaction politique pour la raison simple que quel que soit le niveau d'abstention, en réalité, le vote n'est absolument pas contesté, contestable. Je veux dire, c'est la règle. À part d'un point de vue moral et politique. Donc, quel serait l'enjeu en fait pour le personnel politique à s'occuper de cette question Alors, c'est vrai que les résultats des élections sont comptés que sur les suffrages exprimés. Un des gros enjeux, c'est est-ce qu'un jour le vote blanc sera considéré comme un suffrage exprimé, auquel cas, dans certaines élections, il n'y en aurait aucun qui passerait la barre des 50%, même en cas de duel au second tour. Même s'ils sont décomptés séparément des suffrages nuls, ils ont le même résultat, c'est-à-dire pas d'impact sur le vote. C'est d'ailleurs une grosse revendication très souvent des électeurs, c'est même quelque chose qui est un peu paradoxal en France, c'est qu'on est à ce point-là des gens attachés à la symbolique du vote, du geste électoral, qui aimeraient que leur vote blanc soit pris en compte et qu'ils soient distingués des abstentionnistes dans ces résultats, dans ces effets. C'est certain que sur les législatives, c'est très inquiétant, en particulier chez les jeunes, comme je le disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a un manque de pédagogie du personnel politique. Je pense qu'on s'est trop habitué depuis 2002 à cette séquence électorale, avec la présidentielle d'abord, les législatives ensuite, qui les confirment. Et que les partis ont oublié qu'avec le raisonnement qui est éclaté dans 577 circonscriptions, qu'il peut y avoir des alliances aux législatives, là où les égaux ont empêché d'avoir des candidatures uniques à la présidentielle, je pense qu'ils sont passés à côté de quelque chose et qu'ils auraient dû beaucoup plus mobiliser là-dessus avant même la présidentielle. Et puis il y a une forme de confort, je crois que on en avait parlé dans Mediapart. Si on reprend les législatives de 2017, la majorité est absolue, écrasante pour le président de la République. Or, le taux rapporté au nombre d'inscrits, le nombre de votants rapporté au nombre d'inscrits, c'est... Bon, c'est pas epsilon, évidemment, mais enfin, on est sur des étiages qui sont très différents, en fait, en réalité, de capacité à gouverner, à prendre des décisions, à rafler la mise à l'Assemblée, et le nombre de personnes qui se déplacent et qui votent pour cette formation politique. Mais si vous allez par là, même, je crois que de mémoire, il doit y avoir plus de 85% des circonscriptions où celui qui était au second tour qualifié l'a été à la place, parce qu'il était deuxième, mais il n'avait pas plus que 12,5% des inscrits, ce qui est normalement la barre pour aller au second tour dans la circonscription législative. Donc c'est dire à quel point ils avaient très faiblement mobilisé et que c'était juste à la place qu'ils étaient dans ces duels de... On a aussi le taux d'abstention dans les territoires, enfin dans les Outre-mer. En Guadeloupe, donc on est à 55,2% d'abstention, Martinique 55,8%,
Guyane, un peu plus de 63,8, c'est des taux d'abstention assez élevés, oui. Plutôt classiques alors, dans les Outre-mer. En niveau, il reste très élevé. Ça, il y a quand même eu énormément de progrès depuis 2007. Il y a une baisse en Guadeloupe, par exemple. Ouais. Parce qu'en fait, avant 2007, ils votaient le dimanche également. Et ce qui fait que leur journée électorale avait à peine commencé, que les télés en France disaient « il est 20h, les deux qualifiés sont » ou « il est 20h, le nouveau président est ». Et ce qui fait que ça leur donnait l'impression d'un vote inutile, que leur vote comptait pour du beurre. D'ailleurs, en 2002, après les résultats chocs de 20h, il y a une partie des gens au Parti Socialiste, au Parti Radical, etc., qui ont désespérément appelé aux Antilles en disant « l'écart est tellement faible entre Le Pen et Jospin, allez-vous mobiliser en masse, allez-y, peut-être qu'on peut intervertir le résultat. Ouais. » Ce qui aurait été un autre cataclysme si, dans le cœur de la nuit, ça avait été interverti. Mais avant, ils étaient sur 20, 25, 30% de participation uniquement. Donc la réforme de 2007 a joué positivement. Ça reste des taux faibles, pour des raisons sociologiques, économiques. Hein. On va partir du côté de Thibaut Soucier, qui est en train de terminer un dessin, je crois, sur l'abstention. Oui, et pas abstinence. Plus que 8 minutes avant le résultat, donc buvons, car je sens que le résultat ne va pas nous plaire. Il tient le décompte, ouais. Peut-être un hommage à Fabien Roussel, qui a beaucoup parlé de nourriture et d'apéro pendant cette campagne. Hein Anne Jadot, peut-être deux, trois éléments encore pour parler de l'abstention, parce que c'est vrai que l'abstention, on en parle souvent, voilà, entre 19h30, 20h, et puis ensuite, les responsables politiques en parlent beaucoup moins. Sur la question que posait Mathilde, il y a eu des réflexions pendant ce quinquennat autour de la question de l'abstention, autour de la question de comment plus mobiliser les électeurs, de comment on pouvait faire. Finalement, ça n'a pas donné grand-chose. Non. C'est vrai, mais... Est-ce qu'il y a une volonté politique ? Oui, je me demande à quelle campagne particulièrement, etc. Par exemple, il existait un dispositif, on parlait tout à l'heure de ceux qui sont inscrits ailleurs. J'avais eu l'occasion de rédiger en 2002 un rapport pour le ministère de l'Intérieur sur cette question-là de l'abstention. Donc ça fait quand même très longtemps qu'il s'en préoccupe. Et à l'époque, j'avais pointé que selon qu'on était locataire ou propriétaire et inscrit à son domicile principal ou inscrit ailleurs, il y avait 20 points de participation d'écart le 21 avril 2002. Donc, ils avaient fait l'effort, ce qui impliquait un investissement de fonds publics, d'acheter les bases de la poste. Quand les gens déménagent, dans 95% des cas, ils font l'adhésion au suivi de courrier. Et donc, ils avaient, alors c'était en 2003-2004, il y avait sans doute un mélomane au ministère qui avait inventé le nom, ça s'appelait Élise, comme envoyer une lettre à un électeur pour qu'il s'inscrive sur les listes électorales. C'était pour rappeler aux gens qui venaient de déménager de se réinscrire dans leur nouvelle commune. Ça a été arrêté depuis. Alors, il y a quand même eu des progrès, notamment sur les procurations. C'est beaucoup plus facile à établir désormais. Il n'y a plus besoin, comme il y a 20 ans, de justifier d'un billet de train, d'avion ou d'une réservation d'hôtel. Il suffit de dire qu'on ne sera pas là et il n'y a même pas besoin de donner la raison. Avant, il fallait cocher la raison de l'abstention. Et désormais, on peut choisir de donner procuration à quelqu'un qui n'habite pas dans la même ville que vous. Donc ça aide là aussi donc sur ces aspects-là ils font un petit peu des efforts. Après, ce qui est drôle, c'est si vous pensez aux spots de campagne du CIDEM par exemple, qui sont les campagnes d'incitation à voter, il y en avait une qui a particulièrement marqué les esprits, et dans des entretiens qualitatifs avec des électeurs, ça m'arrive régulièrement d'avoir des gens qui me citent encore la campagne, je ne sais pas si vous en souvenez, on va faire un test générationnel, vous voyez un couple, la femme est en train d'accoucher et alors on va l'appeler commence bébé, et puis tout le monde, la sage-femme, le médecin, les infirmiers, tout le monde propose des noms, et puis à la fin, le docteur écrit le nom à la place sur le bracelet, le pose, et dit bon, ça. Et les parents sont estomaqués, et on leur dit ne laissez pas choisir les autres à votre place, allez voter. Si c'est ça une campagne d'incitation au vote, ça a été complètement tourné en ridicule, quoi. C'est pas comme ça qu'on va inciter les gens, et c'est peut-être plutôt du côté de l'offre qu'il faudrait faire des efforts. Mathilde, un petit mot. Non, puis l'offre, on va en parler après, justement. Non, parce que je suis pas loin de penser qu'effectivement, il y a un confort à se satisfaire de ce taux d'abstention. Et je trouve que le quinquennat, pour le coup, est assez significatif. On a beaucoup, beaucoup glosé à chaque fois sur les niveaux d'abstention. Tout le monde pleurait à chaudes larmes, etc., à chaque premier, second tour des élections. Et ça va se passer dans une dizaine de minutes. Voilà, je suis sûre qu'on va avoir le même genre de scène à partir de l'Eurosa. Mais.
le président avait un peu pris le taureau par les cornes en mandatant un travail parlementaire sur le sujet. Et ce qui m'avait frappé, parce que j'avais commencé à couvrir les discussions parlementaires, enfin en tout cas le travail d'enquête parlementaire, c'était le temps pris pour le diagnostic. Quoi. C'est-à-dire on a reconvoqué tous les experts pour réexpliquer que les jeunes votaient moins, les quartiers populaires votaient moins, le niveau de diplôme était déterminant, etc. Donc ça a pris des mois. Et puis finalement, au bout d'un moment, on est passé un peu quand même aux solutions. Et les solutions sont arrivées il y a 3, 4, 5 mois. À la fin de la commission, c'était il y a 4, 5 mois. Ah oui. On va voir le dessin de Thibault. Alors, pardon, ouais. On peut voir le dessin de Thibault Soulcier qui ne fait pas du tout référence à Jean Castex, absolument pas. Il est donc allé voter en Falcon à Prades. Voilà. Ce qui est un bon geste pour la planète. Pardon, Mathilde. Non, juste pour dire que les solutions sont arrivées très tard. Enfin, les propositions de solutions sont arrivées très tard. La plupart, beaucoup trop tard pour être mises en œuvre en 2022. Et puis, les réformes un peu d'ampleur qui sont controversées, mais quand même qui auraient pu être tentées, ont été carrément balayées. Donc, tout ça pour dire que, voilà, on fait grand cas du sujet, mais on n'a pas beaucoup de solutions à prendre. Je pense d'ailleurs que la reconnaissance du vote blanc ou la proportionnelle, ou au moins une dose de proportionnelle, ça aurait plus d'effet, mais traditionnellement on ne touche pas un mode de scrutin moins d'un an avant une élection, donc effectivement le proposer à quelques semaines ou mois, c'est limite de la provocation parce qu'on sait qu'on ne pourra plus rien toucher à ce moment-là. Elle était prévue en début de quinquennat avec de la proportionnelle, elle a été arrêtée, donc c'était aussi un instrument pour changer le cours des choses sur l'abstention. Après on évoque aussi beaucoup d'autres solutions comme abaisser la majorité à 16 ans, ça ne ferait qu'augmenter l'abstention, on mettrait plus de gens sur les listes mais ils n'auraient pas forcément la motivation ni la maturité pour aller voter. On parle aussi beaucoup des modes du vote électronique ou ce genre de choses. C'est pas seulement les moyens, il faut donner aux gens envie d'aller voter, et en particulier chez les plus jeunes générations, comme on disait tout à l'heure, qui n'ont plus ce réflexe de vote automatique. Et le renouvellement démographique naturel, je suis désolée de le dire, au fur et à mesure que les générations les plus âgées vont mourir et qu'elles seront remplacées par des jeunes qui ont plutôt l'habitude de l'intermittence du vote, cette discussion-là, on risque de l'avoir encore un bon nombre de fois. À la contrario d'ailleurs, ces modalités vote électronique ou autre, ça ne ferait que peut-être renforcer de la distance chez ceux qui votent, les plus âgés et les mieux insérés socialement, économiquement. Merci à toutes les deux. On va tout de suite passer à la suite et bientôt donc les résultats. Alors, pendant Kan Jadot et Mathilde Goanec cèdent la place à nos quatre autres invités arrivent. Fabien Escalona, donc, de Mediapart, toujours avec nous. Sur ce plateau également, Nona Maier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS, grande spécialiste de l'extrême droite sur laquelle vous travaillez depuis très longtemps et il y aura sans doute beaucoup à en dire ce soir. Anne-Cécile Douillet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes professeure de sciences politiques à l'Université de Lille. Vous avez coordonné un livre collectif qui s'appelle L'entreprise Macron au cœur du pouvoir aux presses universitaires de Grenoble. Et Florent Gougou, bonsoir et bienvenue. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Grenoble, spécialiste des rapports de forces électoraux. C'est bien ça où je me suis trompée. C'est très bien. C'est bien. Très bien, pardon, parce qu'on ne se connaît pas, donc je vous rencontre. Bonsoir et bienvenue. Et donc, Fabien, je l'ai dit, est-ce qu'on a des premières estimations? On a tout pour à l'instant fait, je crois. Pas tout de suite. Très bien. Pour nous, il est 20 heures. Vous nous aviez dit, Nona Maier, la semaine dernière, que vous n'aviez jamais vu une présidentielle aussi incertaine. Absolument, et je persiste à le dire, parce que bon, les derniers sondages, si on fait la moyenne des sondages, on est à 2 points d'écart. Et en fait, en 2002, on a eu des situations assez similaires, mais il y avait très très peu de personnes qui pensaient que l'extrême droite pouvait l'emporter. Tandis que là, il y a un autre état d'esprit, partout, le sentiment partagé que, pour la première fois peut-être, ce n'est pas impossible que Marine Le Pen arrive, dépasse Macron. Vous disiez, quand on s'est parlé, on va voir les résultats, en tout cas les estimations dans quelques secondes. J'attends le signal en régie. Vous
Ah, voilà, on va pouvoir le voir. Voilà, on est prêt, apparemment sur un deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Nous ne vous donnons pas d'estimation plus précise parce que c'est assez serré selon les différents instituts de sondage. Vous savez, ici à Mediapart, on ne travaille pas directement avec les sondages. Donc là, on se base sur ce qu'on voit sur les différents médias qui, eux, travaillent directement avec les instituts de sondage. Donc, nous sommes extrêmement prudents. Mais en tout cas, c'est ce duo-là du deuxième tour. Que tous donnent. Avec effectivement des chiffres assez différents. Certains placent, comme vous venez de le dire, Marine Le Pen en premier, d'autres Emmanuel Macron. Il y a des points qui sont différents, on précisera tout ça au fil de la soirée. À nouveau, un second tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Quelle est votre première réaction, Nona Maillard ? Que c'était attendu et que ça montre quelque chose d'un certain décalage entre l'offre politique et les attentes des Français, parce qu'on se retrouve de nouveau dans une situation où les partis de la gauche classique et les partis de la droite classique sont balayés. Ils ont maintenant à eux deux les socialistes et les républicains. On était dans les intentions de vote aux alentours de 11%. Et donc, on se retrouve avec le même clivage que celui de 2017, ouverture, fermeture, et c'est pas très bon pour la démocratie. Anne-Cécile Douillet. Bah oui, effectivement, résultat attendu. Vainqueur du premier tour, Emmanuel Le Pen nous dit, pardon, je vous interromps, c'est joli. Soucier. C'est joli. Bon résumé, peut-être. Très joli. Pardon. Oui, et donc, pour rebondir sur ce que disait Nona Maillard, alors effectivement, gauche et droite classique ne sont pas, font des scores très faibles, mais on peut dire aussi que plus globalement, la gauche, finalement, apparaît absente de ce deuxième tour, étant donné, on va sans doute y revenir, l'évolution d'Emmanuel Macron clairement vers la droite. C'est-à-dire que c'est aussi ce que retraduit ce deuxième tour, c'est qu'on a quand même une opposition droite-extrême droite. Quoi. Ouais. Comment on peut analyser le fait que finalement ce second tour Macron-Le Pen nous avait été prédit, annoncé, voulu par l'ensemble de la Macronie, et on arrive à ce résultat en fait. C'est un peu la fatalité de la situation Il n'y a plus de gauche et il n'y a pas beaucoup de droite. On a un système qui n'a jamais été aussi fragmenté. C'était déjà apparent en 2017, ça a continué. Donc, il n'y a plus de gauche. Il y a encore des forces de gauche. Elle est totalement fragmentée. Trop fragmentée, sans trop fragmentée. Alors, pareil, sur la gauche, on se dirige vers le troisième homme qui serait donc Jean-Luc Mélenchon autour de 18-19%. On attend encore les résultats consolidés. Il y a quand même une gauche qui est là, mais qui ne réussit pas à fédérer. Fédérer suffisamment. Elle existe, et puis bon, il y a beaucoup de gens, d'éminents collègues de nos invités qui racontent aussi sur la base d'éléments empiriques qu'il existe des attentes de gauche dans ce pays. Elles ne sont pas totalement nulles ou inexistantes, donc c'est une portion significative de l'électorat. Et on verra d'ailleurs le total des suffrages que vont faire les candidats additionnés les uns aux autres. Il y a 5 ans, c'était 27-28%, donc on ne parle pas de rien. Voilà. Donc sauf qu'effectivement, il y a à la fois une offre éclatée, une difficulté à mobiliser ceux qui votent pour la gauche. Alors, on peut le dire en parlant de catégories sociologiques, c'est-à-dire, j'imagine, vous en avez parlé tout à l'heure, sur les jeunes, les milieux populaires. Et puis, j'ai vu passer pas mal d'enquêtes, notamment dans celui qui avait le plus gros échantillon, le Ipsos, le long de la campagne, qui montrait que c'était l'électorat qui se reconnaît dans la gauche, qui était le plus démobilisé. Donc, et ça, en fait, on le voit depuis 5 ans. Ça s'est aussi aperçu à d'autres moments électoraux, donc il y a pas, effectivement, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'énormes surprises. On peut peut-être se projeter déjà sur ce second tour, sur ce que ça ouvre comme perspective. On a le temps de développer l'analyse, mais Florent Gougou, vous êtes spécialiste à la fois de l'électorat ouvrier, vous êtes spécialiste aussi du Rassemblement National. Anne Jadot nous l'a dit tout à l'heure, 2017, au deuxième tour, avec la même offre politique, on a beaucoup de gens qui ne vont pas voter, beaucoup de gens qui votent blanc. Là, on se dirige. Est-ce qu'on se dirige vers la même chose, vu que l'offre politique n'a pas changé et qu'est-ce que. Voilà, Nona Maillard disait tout à l'heure, il y a la possibilité que Marine Le Pen soit élue dans ce cadre-là. Si on met en perspective le recul de la participation électorale qu'on observe à tous les types de scrutins, ce serait pas surprenant qu'il y ait moins de participation
au second tour par rapport à ce qui a eu lieu au second tour de 2017. Par ailleurs, on observe aussi une progression graduelle avec des différents paliers du Rassemblement national. De ce point de vue-là, ce ne serait pas non plus surprenant en fait, qu'elle fasse plus qu'en 2017. La question principale, c'est est-ce qu'elle est capable de changer un rapport de force qui était de l'ordre de 65-35. En fait, ce genre de mouvement électoraux, ce serait quasiment inédit en fait, d'avoir dans des circonstances comme ça, avec un second tour dont les niveaux électoraux ne sont pas radicalement différents de ce qu'ils ont été en 2017, changer radicalement la manière dont s'est structuré le second tour, ça serait probablement quelque chose de complètement inédit au minimum en France, et j'ai pas spécialement d'exemples qui me viennent comme ça spontanément quand on regarde d'autres pays. Donc c'est un peu la redite de 2017. Non, le problème c'est l'abstention. C'est-à-dire, moi je pense qu'il y a tout un tas d'obstacles très clairs à une victoire de Marine Le Pen, tant au niveau de la crédibilité que du sentiment encore partagé par la moitié de la population qu'elle est un danger pour la démocratie. Ce qui risque, c'est le problème du hasard en politique. Il ne faut jamais oublier le hasard. N'oubliez pas qu'en 2002, c'était à 199 000 voix près que Jospin s'est fait devancer par Jean-Marie Le Pen. Et il y a quoi ? Il doit y avoir 66 000 bureaux de vote, vous voyez, quelques dizaines de voix. Donc, c'est le hasard qui me fait peur. Moi, je pense que profondément, non, c'est très improbable. Mais si la gauche s'abstient massivement, si l'électorat de Marine Le Pen se mobilise, ça fait beaucoup de si. Mais c'est de là-dessus que ça va jouer. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'exclure totalement. Est-ce que tant que vous parliez, Nana Maillard, est-ce que la réserve de voix, alors d'Éric Zemmour, qu'il va falloir étudier, on va vous montrer les estimations, nos estimations, hein, dans quelques temps assez précisément, qui sont quelques, apparemment, on n'a quand même pas un score énorme pour Éric Zemmour ce soir. Est-ce que ça constitue, c'est la nouveauté de cette campagne présidentielle, le fait qu'on ait deux candidats d'extrême droite. Et en plus, il y a aussi Nicolas Dupont-Aignan, si on rajoute. Est-ce que ça change la donne ? Est-ce que ça fait une réservoir de voix pour Marine Le Pen ? C'est pas simplement Zemmour, c'est-à-dire on a beaucoup dit avant le premier tour que pour la première fois, si on totalisait l'ensemble des voix obtenues par les trois candidats d'extrême droite, si je rajoute Dupont-Aignan, vous aviez 34%. Ouais. Mais on n'a pas le droit de faire la somme arithmétique, ça marche pas comme ça. Parce qu'il y a des électeurs de Zemmour qui jamais ne voteraient pour Marine Le Pen, hein, parce que c'est la fille de Le Pen, et parce qu'un électorat plus bourgeois, plus aisé, plus conservateur ne votera jamais pour quelqu'un qui est trop social et trop moderne sur le plan des valeurs. Donc, il y a quelques réserves du côté de la droite dure, du côté de les Républicains, mais ça ne fait pas d'énormes réserves de voix. Et en plus, Marine Le Pen a un handicap, que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les catégories où elle est la plus forte sont celles qui sont les plus susceptibles de s'abstenir. Donc, c'est pour ça que je minimisais les chances qu'elle passe. Je vais peut-être plutôt rentrer. Alors, là, on peut vous donner des estimations. Donc, les trois instituts, IFOP, Ipsos et Lab, placent Emmanuel Macron devant autour de 28%, hein, environ. Puis Marine Le Pen autour de 24%. Et Jean-Luc Mélenchon autour de 20%. Voilà à peu près les chiffres à quelques dixièmes près, quoi. Donc ça donne une avance de 4 points d'Emmanuel Macron sur Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon donc, qui passe de 4e à 3e homme. Oui, et on nous dit qu'a priori Emmanuel Macron va prendre la parole à 21h et avant Marine Le Pen vers 20h30. Et dans un instant, on pourra voir Anne Hidalgo qui, nous dit-on, appelle à voter, je cite, contre l'extrême droite de Marine Le Pen en utilisant le bulletin Emmanuel Macron. Donc c'est déjà parti les appels à voter. Vous souriez ? Oui, parce que la question, ça va être de savoir à quelle heure chacun va le faire ce soir. C'est pas tant de savoir s'ils vont le faire ou pas. Plusieurs avaient pris position en disant je dirais pour qui je vote, mais sans appeler. Enfin, voilà ce qu'a dit Valérie Les Républicains. Et Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il n'appellerait pas, qu'il ne donnerait pas de consigne de vote. Il ferait peut-être une consultation interne. C'est leur tardive, celle-ci. Ça, vous trouvez que c'est pas. Non, pas du tout. Non, c'est simplement qu'on a. Enfin, ce sont des mécanismes qu'on connaît, en fait. Dans les soirées électorales ou au début, mais à juste titre, en fait, sa politique, on n'a pas spécialement envie de se projeter dans la figure des perdants et de dire avant le premier tour qu'est-ce qui va se passer si jamais vous n'êtes pas là. Mais personne n'a demandé à Emmanuel Macron pour qui il allait voter si jamais il n'était pas au second tour. Non, mais c'est vrai, en fait. Ça dit aussi de la manière dont on traite les candidats pendant les campagnes électorales et qu'il y en a qui sont considérés comme étant crédibles pour gouverner, pour aller se qualifier pour le second tour et d'autres qui ne le sont pas. Et ils n'ont pas les mêmes questions qui leur sont adressées par les médias. Mais en tout cas, on l'avait déjà vécu en 2002.
2002, on l'a vécu en 2017. Ça fait la troisième fois que la droite radicale va au second tour de l'élection présidentielle. Et une des premières choses sur lesquelles on va attendre les responsables politiques ce soir, c'est de savoir comment ils vont se positionner par rapport à la possible victoire de Marine Le Pen, puisque de toute façon, maintenant, on sait que le prochain ou la prochaine présidente de la République, il n'y en a plus que deux qui sont possibles. Ouais. Et il faut savoir si ils acceptent qu'elle ait des... qu'il y ait une voie pour elle pour gagner, ou s'ils la refusent, cette chose-là. Et ça va être la seule question à laquelle ils vont devoir répondre maintenant. Au-delà de savoir commenter leur propre score, au-delà de savoir ce qu'ils vont faire pour d'autres élections plus tard, la première chose, c'est que va-t-il se passer dans deux semaines. Ouais. Anne-Cécile Douillet, le score d'Emmanuel Macron ce soir, Valentine a donné les estimations, et encore une fois, on va les regarder plus précisément tout à l'heure. Hélène Salvi nous disait tout à l'heure, elle était à la place de Nona Maier, campagne ratée, campagne tardive, la guerre évidemment, mais aussi un sentiment d'un président un peu hors sol, quelque part. Est-ce que ce score-là, qui reste a priori un score où il est a priori, en avance sur Marine Le Pen. Et supérieur à celui de 2017, de 4 points, avec une participation un peu moindre. Donc il faudra compter en nombre de voix, si on est autour du même nombre. Donc qu'en dire ce soir de ce résultat? Alors oui, alors déjà c'est vrai que ça pose la question de l'effet des campagnes, c'est-à-dire que votre collègue le disait, une campagne tardive, une campagne ratée de son point de vue, en tout cas on peut dire une campagne de fait légère, avec un seul grand meeting, très peu de déplacements sur le terrain, principalement une grande conférence de presse pour annoncer son programme, là aussi un peu catalogue de mesures. Donc voilà, on pourrait en tirer à la conclusion que voilà, c'est pas la campagne, enfin c'est une question classique en sciences politiques, mais ce n'est pas la campagne qui fait l'élection. En tout cas, le fait de ne pas avoir beaucoup mené campagne ne semble pas avoir eu d'effet sur son score et sur sa position à la tête, hein, pour l'instant, des résultats. Quoi. Ça a même carrément suffi. Voilà. Ouais. Et alors, il y a toujours, parmi les autres éléments qu'on pourrait commenter, il y a ce fameux effet drapeau qui semblait s'affaiblir au regard des dernières. Du président dans la guerre. Quoi. Voilà, c'est ça, de rassemblement autour de sa posture qu'il mettait beaucoup en scène, de chef d'État dans la guerre. Ça semblait s'affaiblir au fil du temps. Je ne pense pas, en fait, que c'est ça qui ait été déterminant, mais en tout cas, reste l'interrogation sur le possible effet. Et puis. L'autre élément, en tout cas l'autre question qu'il va falloir creuser, c'est effectivement qui a voté Emmanuel Macron cette fois. Alors là aussi, les enquêtes préélectorales annonçaient que de mémoire, hein, plus des deux tiers des personnes qui avaient voté Emmanuel Macron en 2017 se disaient prêtes à revoter Emmanuel Macron cette fois. Et il y avait également aussi quand même une partie non négligeable de l'électorat de François Fillon, hein, de mémoire plus de 30% aussi, qui annonçait vouloir voter pour Emmanuel Macron. Et c'était beaucoup plus faible de l'électorat de Benoît Hamon, mais quand même, plus de 15% hein, de personnes qui avaient voté pour Benoît Hamon qui disaient vouloir voter pour Emmanuel Macron. Donc, semble, hein, parce qu'évidemment, c'est difficile de le dire à chaud, mais semble s'être stabilisé quand même une base électorale autour d'Emmanuel Macron et qui a continué à agréger encore de nouveaux électeurs. Oui. Alors on va être en mesure, Fabien Juste, de vous donner nos estimations, ce qu'on vous montrera tout à l'heure sur un tableau, mais d'ores et déjà, Emmanuel Macron environ 28%, Marine Le Pen environ 24%, donc les deux qualifiés pour le second tour de cette présidentielle, Jean-Luc Mélenchon environ 20%. Nous aurions, on descend très bas en fait dans les scores, hein. Éric Zemmour environ 7%, Valérie Pécresse environ 5%, Yannick Jadot, donc ça c'est vraiment la candidate, les Républicains seraient autour de 5%, et voilà, on voit nos estimations des résultats de ce premier tour, et puis derrière Yannick Jadot environ 4,5%, Jean Lassalle environ 3%, Fabien Roussel pour le Parti Communiste 2,7%, Nicolas Dupont-Aignan 2,1%, Anne Hidalgo, candidate du Parti Socialiste, le parti de François Hollande, 1,9%. Trois fois moins que Benoît Hamon il y a 5 ans. Et... avec moins de participation. Voilà, et puis derrière, moins d'1% pour Philippe Poutou et Nathalie Arthaud. Peut-être un mot là, c'est quoi qui vous frappe particulièrement, Florent, dans ces résultats? Il y a beaucoup de choses frappantes. En fait, il y a 5 ans, à l'issue du premier tour, il y avait la moitié de l'ancien monde qui avait disparu de la carte, avec le PS qui s'était effondré, et LR qui, avec les 20% de François Fillon, était encore, paraissait encore, et une
alternative crédible pour gouverner. Emmanuel Macron s'est occupé de LR depuis 5 ans. Et donc, dès les législatives, il y a eu des mouvements très forts en fait de l'électorat de l'ancienne droite LR qui s'était déplacé vers les candidats macronistes lors des élections législatives. L'effondrement de LR, il est élu en 2019 aux élections européennes avec moins de 10%. Et de fait, ce soir, en fait, ce qu'on observe, c'est que les deux partis ont été rayés de la carte pour pouvoir être des alternatives crédibles pour gouverner. Or, en fait, c'était leur principale fonction dans le système partisan français tel qu'il s'est développé dans un premier temps, au début de la Ve République et puis au tournant des années fin 60, début 70, avec la naissance du PS comme étant une écurie pour gagner la présidentielle. Et en fait, ces deux partis-là ne sont plus. Et au fond, ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes un responsable politique qui a envie de gouverner, d'être serein pour gagner des élections et avoir envie de gagner, enfin avoir des chances de gagner, vous dites qu'il faut être à La République En Marche parce qu'ailleurs, vous ne savez pas où il faut être. En fait, on élimine dès le premier tour, là, c'est ça ? Oui, il y a ça. Mais en fait, ce qui est fascinant pour prolonger la réflexion de Florence, c'est qu'on voit bien comment le jeu s'est recomposé depuis 2017. Et de ce point de vue-là, c'est une élection de confirmation autour de trois candidats qui représentent en fait trois forces et trois identités politiques cohérentes. Mmh. Une des faiblesses des partis LR et PS, c'était qu'ils faisaient coexister des gens très différents. Mmh. Et Florent l'a dit, du moment où ces gens-là sont évacués du pouvoir, à ce moment-là, ce qui tenait encore ensemble les gens se désagrège. Et à l'inverse, on voit que ça se porte sur des identités politiques, encore une fois, qui ont beaucoup de cohérence entre la gauche de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, et qui, eux, ont une faculté de polarisation sur leur nom des électeurs qui disent « j'aimerais être présent au second tour ». Mais si je peux me permettre, Anne-Cécile Doué, moi, ce qui m'intéresse, c'est Emmanuel Macron, parce que c'est peut-être le moins cohérent des trois. Moi, je me suis amusé à faire un article sur la... Enfin, amusé, c'est peut-être un grand mot, mais sur la grande coalition qu'incarne Macron en attirant à lui des sensibilités politiques qui autrefois étaient justement très rivales. Comment vous expliquez cette capacité justement à tenir tout ça ensemble? Parce que dans l'ouvrage que vous avez dirigé, vous décrivez beaucoup, vous décrivez beaucoup la dimension néolibérale assez claire de la plupart de ces politiques publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le quoi qu'il en coûte qui a rattrapé ça et permis de conserver aussi un électorat assez plus modéré, quoi, et pas forcément en demande de politique pro marché à outrance. Alors, parce que c'est politique pro-marché, en tout cas de libéralisation, de politique de l'offre, c'était déjà une politique malgré tout menée sous le mandat de François Hollande. Donc c'est ça qui est compliqué en disant que ce serait un nouvel électorat ou une nouvelle force politique qui serait difficilement explicable parce que elle prendrait de manière indue, d'une certaine façon, des électeurs qui ne s'y retrouveraient pas. Je fais l'hypothèse que une partie des électeurs de François Hollande en 2012 se retrouvent dans Emmanuel Macron, y compris dans ses politiques économiques. Il me semble qu'il y a cette continuité-là. Donc c'est pas ça me semble pas si mystérieux en fait, une si grande énigme. C'est-à-dire que Emmanuel Macron agrège autour de lui effectivement une partie des électeurs, des anciens électeurs du PS, mais qui se retrouvent dans ce type de politique pro-entreprise, et a ramené sans doute cette fois aussi vers lui une partie des électeurs LR qui ont été d'une certaine façon rassurés peut-être par ces politiques. Quoi. Peut-être qu'on peut rapidement écouter Anne Hidalgo, je disais, donc elle a appelé à voter Emmanuel Macron. On écoute la maire de Paris, candidate du Parti Socialiste. Et pour que la France ne bascule pas dans la haine de tous contre tous, je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril prochain contre l'extrême droite de Marine Le Pen, en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron. Voilà, donc la candidate socialiste qui est autour de 2%, peut-être même pas 2%, 1,9%. Ça vous inspire quoi, ce genre de déclaration? Et quel poids on doit y... Enfin, quelle importance on doit y accorder, compte tenu de son faible score? Je crois que Florent l'a dit tout à l'heure, du point de vue d'Anne Hidalgo, c'était assez attendu. Je crois qu'il n'y a jamais eu trop de mystères. Benoît Hamon l'avait fait il y a 5 ans. Puis il y a le fait que, après tout, Emmanuel Macron a aussi été porté par une aile droite du parti qu'elle représente aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, oui, il n'y a pas de surprise. Après, les gens font bien ce qu'ils veulent, comme d'habitude. Alors on peut quand même rappeler quand même quelques chiffres sur l'effondrement du PS, quand même. 2017,
Hamon, 6,36. On est aujourd'hui à moins de 2%. 2007, j'ai mes petites fiches. Ségolène Royal, 25,87%, 9,5 millions de voix au premier tour. Jospin, 2002, même avec l'élimination du deuxième tour, 16,18%, c'est pas du tout les mêmes scores. Et puis avant, évidemment, 17% en 95, 88, Mitterrand, 34,10%. Bon, là, vraiment, c'est un monde qui a basculé. Ouais, mais en fait, c'est là. Il y a un aspect un peu humiliant parce que effectivement, là, dans l'ordre, si l'ordre que vous avez donné se confirme, c'est-à-dire qu'elle se retrouve quand même derrière Fabien Roussel, derrière des candidats qui étaient considérés comme marginaux, comme Jean Lassalle. Donc voilà, c'est très sévère. Maintenant, ça ne vient que confirmer ce qui a déjà eu lieu. Il y a 5 ans, cet effondrement, il était déjà écrit, il s'était confirmé aux européennes. Et donc voilà, dès qu'il y a une élection nationale, qui plus est avec décisive pour le pouvoir de mener les conduites du pays, clairement, pour les gens, l'option socialiste, pour l'écrasante majorité des gens, n'existe plus. Alors, une autre réaction, peut-être pas non plus forcément surprenante, vous nous direz ce que vous en pensez, celle donc du député des Républicains Éric Ciotti, qui était lui-même candidat à la primaire des Républicains, et qui avait donc perdu contre Valérie Pécresse. On écoute la réaction d'Éric Ciotti. Il y a aujourd'hui 3/4 des Français, si on ajoute ceux qui n'ont pas exprimé de vote, les abstentionnistes, que l'on peut qualifier de Français qui ont émis un vote de protestation, de contestation, contre le système en place, contre la politique d'Emmanuel Macron. Ces Français, moi, je ne les qualifie pas d'extrêmes, je les respecte. Mais au-delà de ça, quelle est votre consigne de vote, monsieur ? Je les respecte profondément. Je ne donnerai aucune consigne de vote. À quel titre ? À quel titre donner une consigne de vote ? Les Français sont libres. Ce que je peux vous dire ce soir, c'est que personnellement, je ne voterai pas Emmanuel Macron parce que... Alors, pourquoi ? On ne le saura pas. Non. En tout cas, à titre personnel, il ne votera pas Emmanuel Macron, pas de consigne de vote. Florent Gou. Oui, bon, là, la position de l'UMP est devenue les Républicains, elle a, au cours des 15 dernières années, elle a évolué par rapport à cette question-là. Autant il était clair qu'au détour des années 2000, avec Jacques Chirac, la manière dont il avait construit ce barrage à l'extrême droite, que là, il y avait... Lui-même avait été dans un premier temps, avait des relations avec le Front National, ou en tout cas ses camarades, et avait posé la question de savoir jusqu'à quel point il devait s'allier ou pas, ça remonte à la fin des années 80. Et puis après, ça s'était clarifié, cette chose-là, et il y a des digues qui ont sauté dans la foulée de l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, de la droitisation de ce grand parti, qui était à ce moment-là ce grand parti de gouvernement, l'UMP, et de fait, là, le Nini, pour autant, c'est un peu cette chose-là, en fait, c'est qu'il a dit qu'il ne voterait pas Macron, il n'a pas dit qu'il voterait pour Le Pen. Donc on est un peu dans cette chose-là, laissons les gens choisir. Moi je vous dis ça, mais je veux pas m'engager pour les autres personnes. Nana Maillard ? Non, mais le nini, c'est-à-dire, ça veut dire abstention ou vote blanc. Je veux dire, en quelque sorte, et ça remonte à Nicolas Sarkozy, enfin, c'est les années 2011. Donc c'est une position pas très courageuse, mais que l'on comprend vu la position radicale d'Éric Ciotti. Mais on pourrait peut-être revenir sur Marine Le Pen, que finalement, on va parler de tous les losers. Ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est une de celles qui est la plus proche de ce qu'annonçaient les sondages, 24, si on faisait la moyenne. Et c'est une vraie dynamique par rapport à 2017, c'est-à-dire elle continue, elle était à 21, si on est sur donc elle est à 24. Et elle a fait une bonne campagne. Elle a fait une campagne de proximité, à bas bruit, à bas coût aussi, parce que de toute façon, les finances du parti sont à sec, mais elle a fait des tournées dans les petites villes, les villes moyennes, et elle a très bien et très habilement su utiliser la question sociale qui, a priori, aurait dû être le thème favori de la gauche. Donc, elle a très bien joué, et surtout, ce qui est tout à fait amusant, c'est qu'à un moment, on disait que c'est elle qui allait se faire bouffer par Éric Zemmour, et c'est elle qui a bouffé Éric Zemmour. Il est à 7, à 24, donc ça promet des règlements de compte intéressants au sein du parti par rapport à tous ceux qui ont quitté Marine Le Pen au moment où ils pensaient que c'était Éric Zemmour l'étoile montante. Donc sa nièce Marion Maréchal a appelé à voter Marine Le Pen sans... Mais ce qu'on va retrouver avec ce second tour entre Macron et Le Pen, c'est les lignes de conflit qu'on a indiquées tout à l'heure, à savoir cette ligne de conflit autour de l'identité nationale, du cadre de l'État-nation par rapport à des cadres supranationaux. Et pour autant, ce cadre-là, il était installé, c'est celui que voulait Macron. Et il l'a dit dès 2017, lors du débat face à Le Pen, il a dit voilà le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est moi contre vous. Et en fait, ça fait 5 ans que
Il installe ce cadre-là pour recréer un nouveau type de dualisme au sein de la vie politique française. Et au fond, c'est exactement ce qui s'est passé ce soir. Mais ce qui était pour Marine Le Pen dangereux, c'est que pour la première fois, elle a été contestée dans son espace politique par un autre candidat. Au fond, il y avait un précédent, c'était Bruno Maigret face à Jean-Marie Le Pen en 2002. Mais à ce moment-là, il avait été complètement écrasé. Et au fond, même si Éric Zemmour n'est pas écrasé ce soir, parce qu'il arriverait encore, on verra, mais entre 5 et 10%, en fait, il est très loin de ce qu'à certains moments donnés, on lui a annoncé. Et de sorte que il s'est passé des choses pendant la campagne électorale entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, et autant sur les grands enjeux conflictuels autour de l'identité, de l'immigration, enfin les deux étaient sur des positions qui sont relativement proches, et donc au fond ils ont parvenu à installer ces enjeux-là au sommet de l'agenda, et ensuite la campagne a décanté sur un autre enjeu, beaucoup plus consensuel celui-ci, mais que Marine Le Pen elle a chevauché dès le début de la campagne, et bien avant en fait, dès l'automne dernier en quelque sorte, alors qu'Éric Zemmour n'avait pas un mot à dire là-dessus, celui du pouvoir d'achat, donc on voit qu'en fait, il a explosé en termes de préoccupation des Français pendant la campagne électorale. Aujourd'hui, il est archi-dominant quand on regarde les enquêtes d'opinion. C'était 60% des Français qui indiquaient que le pouvoir d'achat était la première de leurs préoccupations. De ce point de vue-là, en fait, elle a fait une excellente campagne dans le sens où elle a su aller sur les thèmes qui sont les thèmes qui parlaient aux électeurs. Et elle a d'autant plus pu le faire que Éric Zemmour occupait ce terrain identitaire, immigration, islam, ce qui n'est pas absent de son programme à elle, mais elle a pu se concentrer sur ces thématiques-là qui préoccupent donc les Français, alors même que ces questions-là étaient déjà entretenues avec ce candidat d'extrême droite. Et pour autant, les électeurs ne semblent pas se tromper sur le tir. Enfin, en tout cas, ont toujours une idée du positionnement de Marine Le Pen sur une échelle gauche-droite quand, dans la dernière enquête à laquelle faisait référence Fabien tout à l'heure, quand on demande aux Français la note moyenne qui donne, enfin plutôt le positionnement sur l'échelle gauche-droite de Marine Le Pen entre 0 très à gauche et 10 très à droite, c'est 9,2. Donc c'est-à-dire qu'on les met très à droite. Alors Éric Zemmour, il a 9,6. Il est encore un peu plus très à droite. Mais au fond, il n'y a pas de doute sur le fait que Marine Le Pen, dans la tête des électeurs, elle est très à droite. On le voyait sur le dessin de Thibaut Soulcier, d'ailleurs, qu'on va revoir. La guerre en Ukraine et la relation de Marine Le Pen avec Vladimir Poutine n'a pas pesé. Sa complaisance avec le régime de Poutine n'a pas pesé sur cette élection en sa défaveur. Mais elle a été très habile parce que d'abord, elle a tout de suite condamné, elle a tout de suite dit qu'elle était prête à accepter les réfugiés. Et surtout, elle a joué très habilement parce qu'elle a parlé des conséquences terrifiantes qu'auraient les sanctions économiques. Pas le conflit en Ukraine, les sanctions économiques, ce qui permettait indirectement de critiquer Macron, tout en chevauchant l'enjeu du pouvoir d'achat. Donc elle a très 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 bien joué. Rappelons sa proximité avec le des personnalités du Kremlin. Malgré le fait que, elle a été reçue par Vladimir Poutine. Elle a dit elle-même qu'elle avait de l'admiration pour le leader. Elle a obtenu des prêts à l'époque en 2007 d'une banque russe. Donc, elle est philo-Poutine, si je puis dire. Mais elle a très bien su le faire oublier de l'électorat. Il y a également un certain nombre d'affaires qui concernent Marine Le Pen. Mise en examen pour détournement de fonds publics dans la paire des soupçons d'emploi fictif des assistants parlementaires européens. Le RN n'est pas le seul parti, il n'est pas le seul. Voilà. Elle fait aussi l'objet d'une enquête concernant son patrimoine. Le RN a été condamné pour recel d'abus de biens sociaux en 2020 dans l'affaire des financements de campagne. Tout ça, ça passe à l'as. Tout ça, c'est pas grave pour les électeurs du RN. Elle va vous répondre qu'il y a McKinsey de l'autre côté. Je veux dire. Et puis, les électeurs et les électrices, ce n'est pas toujours là-dessus qu'ils se décident. Vous pouvez leur dire qu'il y a des accusations de corruption. Ils vont vous dire, d'abord, il y en a d'autres qui le font. Et puis, il y a très vite les théories complotistes. On s'acharne sur nous, etc. Et puis, enfin, ils vont considérer que, ceci mis à part, c'est leur candidat ou leur candidate préférée, puisqu'ils lui font confiance et puisqu'ils sont d'accord avec ses idées. Donc il ne faut pas trop jouer là-dessus. À toutes les deux sur la configuration du premier tour, Nona Maillard, Anne-Cécile Douillet, son dernier discours à Styrin Vindel ce week-end en Moselle, Marine Le Pen a dit que Macron c'était le néolibéral, le mondialiste, et que elle défendait ceux qui ne possèdent rien en propre et n'ont pour patrimoine que leurs droits sociaux. Elle a dit aussi un peu plus tôt dans la campagne qu'elle était la candidate du peuple contre Macron, le candidat des riches. Ça va être ça l'opposition de ce second tour de la présidentielle, en tout cas la façon dont elle va se positionner face à Emmanuel Macron. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle a les moyens de le faire. Effectivement, enfin, elle a déjà commencé à le faire, et les arguments. En fait, c'est la même chose qu'en 2017, quoi. C'est le même, exactement le match rejoué.
Oui. Oui, il y a une petite nuance quand même. Je veux dire, il faudrait peut-être dégonfler la bulle et expliquer qu'elle ne défend pas les oubliés, les petits. Elle défend les Français oubliés, les petits. Il ne faut pas c'est oublier ça. Que tout le programme de Marine Le Pen, il faut le voir à travers le filtre de la préférence nationale. Et que les plus pauvres, les plus malheureux, les plus défavorisés, ce n'est pas leur ensemble qu'elle défend. Vous c'est la préférence nationale. Elle n'a pas changé là-dessus. Ça reste au cœur de son projet, ça reste au cœur de son programme politique. Et c'est ça aussi qui fait encore peur à certains électeurs. Certains votent pour elle à cause de cela. Et d'autres ne voteront jamais pour Marine Le Pen à cause de cela. Si Marine Le Pen gagnait l'élection, elle mettrait en œuvre un programme qui est contraire à la Constitution, contraire à celle de la 5e, au préambule de 46, à la Déclaration des droits de l'homme et à la plupart des conventions européennes, puisqu'elle mettrait en place un système de préférence nationale, réserver les emplois, les logements, les aides sociales aux Français. Et qu'elle mettrait en place une politique drastique, peut-être un peu moins pire que celle d'Éric Zemmour, mais pour ce qui concerne l'asile, le droit du sol, le regroupement familial, et puis un de ses même premiers... Les aides sociales, hein, sur la priorité les aides sociales, c'est la préférence nationale ou la priorité citoyenne. Les femmes musulmanes n'auraient plus le droit de mettre un voile dans l'espace public. Enfin, il y a tout elle inscrirait dans la Constitution, elle ferait un référendum sur l'immigration, là, il y en a plusieurs candidats sont là-dessus, mais pour mettre en place des mesures qui sont contraires à toutes les valeurs de la République. Là-dessus, juste l'autre idée quand même qui est importante qu'on a pas mal rappelé ces derniers jours sur Mediapart, c'est important de le rappeler. On n'est pas les seuls dans son programme. Il y a l'idée de créer, je cite, un bouclier constitutionnel qui établirait que la France ne serait plus soumise au droit international et notamment européen s'il entre en contradiction avec une constitution qui aurait été éventuellement remaniée d'une façon ou d'une autre. Là, vous dites, on sort du droit international, du droit européen. Oui, c'est assez... et j'oublie de dire, la première chose serait d'abolir la loi Pleven et la loi Guesso, c'est-à-dire tout ce qui nous protège du racisme. Donc il faut bien réfléchir avant de mettre un bulletin dans l'urne. Je vous propose qu'on écoute les premiers mots de Valérie Pécresse. De mener une vraie politique de droite autour des valeurs d'autorité, de liberté et de travail était la solution pour redonner à notre pays la force et la prospérité qu'il mérite et aux Françaises et aux Français une vie meilleure. J'ai dû batailler sur deux fronts, contre le camp du président sortant et contre celui des extrêmes. Alliés en la circonstance pour diviser et battre la droite républicaine. Malgré la passion qui m'anime, malgré la qualité de notre projet, je n'ai pas réussi, dans cette campagne atrophiée et en l'absence de vrais débats, à me délivrer de cet étau et à vous convaincre. Ce soir, le réflexe du vote utile a joué à plein et le peuple de France a voté et son verdict s'impose à nous. Ce résultat est évidemment une déception personnelle et collective. J'assume en responsabilité toute ma part dans cette défaite. À toutes celles et tous ceux qui m'ont fait l'honneur de leur vote, dans l'Hexagone, Outre-mer et à l'étranger, je veux leur dire ma reconnaissance et que leur soutien est à jamais gravé dans mon cœur. Je veux également remercier l'équipe exceptionnelle de fidélité et d'engagement qui s'est démultiplié partout sur le territoire pour porter haut nos convictions et nos couleurs. Je reste persuadée que notre projet courageux et réformateur est le bon pour la France et pour nos compatriotes. Après un quinquennat de crise, d'immobilisme et de louvoiement, il faut remettre de l'ordre dans le pays. Et il y a tant à reconstruire. Voilà pourquoi la droite et le centre, solidement enracinés dans les territoires, ne doivent rien lâcher. Ne pas se diviser, ne pas renoncer à leurs valeurs et mener avec détermination le combat des législatives qui s'annonce. Le second tour de l'élection présidentielle opposera donc à nouveau Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce soir, je suis profondément inquiète pour l'avenir de notre pays, alors que l'extrême droite n'a jamais été aussi prête de l'emporter. En épargnant au premier tour les extrêmes et en esquivant le débat démocratique, Emmanuel Macron a joué avec le feu et fait prendre un énorme risque à la France. Nous pourrions tous en payer le prix. Vous le savez, j'ai construit mon engagement politique
contre les extrêmes de droite comme de gauche. Je les ai toujours combattus avec force et constance. Car je crois, comme Jacques Chirac, que tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme. Le projet de Marine Le Pen conduirait le pays à la discorde, à l'impuissance et à la faillite. Sa proximité historique avec Vladimir Poutine la discrédite pour défendre les intérêts de notre pays dans les temps tragiques que nous vivons. Son élection conduirait à l'effacement de la France sur les scènes européennes et internationales. Ainsi, et malgré les profondes divergences que j'ai martelées tout au long de la campagne, je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait. Florent Goubou, on vient d'entendre la déclaration de Valérie Pécresse. Appel. À l'inverse de celle de Ciotti. Voilà, très clair, à voter pour Macron. Voilà, donc à la différence d'Éric Ciotti, son candidat, son concurrent de la primaire LR. Oui, qui était donc dans son équipe de campagne. Résultat, ça prouve. Donc à l'intérieur du parti, manifestement, il n'y a pas de ligne claire que sur la manière de gérer la relation au Rassemblement national. Et il y a des options qui sont divergentes. Après, pour l'instant, encore une fois, il n'y en a pas un qui a appelé à voter pour Marine Le Pen, enfin qui a dit nommément qu'il allait voter pour Marine Le Pen. Donc on voit encore que ce qui résiste, c'est plutôt de ce côté-là. Mais au fond, il n'y a pas spécialement de surprise là-dessus. Hein, donc, y compris, là, tout à l'heure, on discutait de ce tournant pendant le quinquennat. Enfin, Nicolas Sarkozy, à ce moment-là, Alain Juppé, par exemple, n'avait jamais de difficulté à appeler à voter contre le Front National et à voter pour les candidats de gauche. Donc, en fait, dans ce parti-là, a toujours existé, enfin, a existé plutôt depuis une dizaine d'années, ces deux options qui sont sur la table. Ou jamais on va voter pour la droite radicale, mais parfois on peut avoir une consigne de ne pas voter pour l'autre candidat. Je donne la parole à Nona Maillard après, mais enfin, il y a quand même un risque là, vu les scores de Valérie Pécresse actuellement, on n'est même pas sûr que les Républicains seront remboursés de leur campagne électorale. Là. Oui. On est là. On en est absolument là, et donc, qui n'était encore pas le cas du PS en 2007, puisqu'ils étaient encore au-delà des 5%. Résultat, il faudra regarder combien Valérie Pécresse a engagé de sous pour le parti, pour savoir dans quelle mesure ça peut le mettre en difficulté, ou plus que cela, sachant qu'il peut toujours, LR peut toujours lui de son côté bénéficier d'un très large réseau d'élus locaux qu'il a encore et qui fait que la survie du parti n'est pas menacée parce qu'il y a aussi beaucoup de sous qui arrivent par ailleurs, mais pour autant c'est pas ça fait des coups sévères en fait qui sont portés sur les appareils partisans, leur capacité à avoir des salariés, enfin donc des permanents qui produisent du travail aussi à l'intérieur des partis. Ça fait Nona Maillard, sur la déclaration de Valérie Pécresse, je vous ai vu noter beaucoup de choses. Non, je me souvenais, bon, c'est pas facile de faire face à un chiffre pareil. Je trouve qu'elle y fait face avec beaucoup de courage et beaucoup de dignité. Ouais. Donc c'est déjà quelque chose. Mais j'ai quelque chose quand même qui me reste en travers de la gorge, c'est qu'elle accuse Macron d'être responsable de tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Mais je pense que la droite des Républicains a sa part de responsabilité, parce qu'à partir du moment où il y a eu l'apparition d'Éric Zemmour dans le débat politique, tout le monde s'est mis à courir derrière. C'est quand même Valérie Pécresse qui a utilisé dans un meeting l'expression de France cette papier. C'est Valérie Pécresse qui a utilisé l'expression de grand remplacement. On a assisté à une course de tous les candidats à droite, c'est à qui auraient les mesures les plus strictes et les plus fermes à l'égard de l'immigration. Donc je pense que les Républicains ont leur part de responsabilité dans le contexte politique que nous vivons aujourd'hui. Français de papier, marqueur de l'extrême droite, expression qui est marqueur de l'extrême droite, grand remplacement, marqueur de l'extrême droite, marqueur de l'extrême droite identitaire. Qui, on le répète, a été revendiqué par notamment le terroriste de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Absolument. Et français de papier, ça veut dire que vous êtes naturalisé, vous n'êtes pas un vrai Français. Et grand remplacement, ça veut dire que vous avez une vision complotiste de l'histoire avec les élites qui conspirent pour et faire venir une immigration d'Afrique du Nord musulmane pour submerger les vrais Français. Alors que dans le même temps, Marine Le Pen, à la fin de sa campagne, a annoncé que finalement, elle était d'accord pour renoncer à l'interdiction de la binationalité. Oui, absolument. Ouais. Et elle n'a pas utilisé, elle utilise indirectement l'expression de grand remplacement. Mais elle ne l'utilise pas. Simplement, la réforme constitutionnelle qu'elle propose revient un tout petit peu au même. Hein, parce que j'essaie de retrouver les termes qui étaient très beaux. Empêcher l'immigration de modifier la composition et l'identité du peuple. C'est la même français. Chose exprimée de façon elle politique. Elle le dit autrement. Ouais, voilà. Elle décrit ce que produirait un grand remplacement. On peut écouter donc Alexis Corbière de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais...
commencer comme ça, si vous permettez, parce que d'abord, si. Non, enfin, vous avez le droit de me poser la question, mais il faut comprendre ce qui est en train d'avoir lieu. Il y a trois grandes forces dans le pays, je regrette qu'on soit troisième, j'ai un sentiment ambivalent. D'abord, c'est pas passé loin, et on avait raison de dire que c'était atteignable, et je remercie vraiment, on va faire le compte de millions de gens, tous ceux, ces jeunes, ces milieux populaires, ces gens venus de l'écologie, etc. Enfin, je veux dire, il y a eu une convergence. Je sais que ça n'est pas que le score de l'Union populaire, si je puis dire, même si c'était la stratégie de l'Union populaire. Je les salue, ils se reconnaîtront tous et on est comptable de ça. Et ça, ça va rester, c'est important parce que le pays doit entendre... À chaque fois, vous êtes à un cheveu, quoi, à 600 000 voix. Oui, non, mais on verra. Mais comprenons-le, c'est-à-dire que c'est pas le moment, on discutera politique, mais le second tour était atteignable. Quand nous disions ça, ça n'était pas une stratégie, il y avait un vote de conviction. Mais moi, je propose qu'on se projette, là. Mais genre, non, mais d'abord, il faut comprendre la situation. Donc, je veux remercier tous ces gens-là et leur dire qu'il faut rester rassemblés, parce que c'est important et nous en aurons besoin. Voilà où j'en suis à ce stade. Certains, sont à une étape d'après, puisque à l'instant, Marion Maréchal et Éric Zemmour appellent à voter Marine Le Pen pour le second tour. D'accord. Ils sont déjà dans ce second tour. Pour ce qui est, nous, des choses, vous savez, on a déjà vu ce second tour, je le dis clairement, pas une voix pour le Rassemblement national, mais nous allons organiser une consultation qui aura lieu, comme la dernière fois, pour voir comment les 320 000 personnes qui nous ont soutenus voient les choses. C'est clair que pour nous, l'extrême droite, parce qu'elle porte, n'est pas une option, mais c'est clair que nous sommes aussi face à une difficulté avec le programme d'Emmanuel Macron. Quelque part, on va voir comment, là aussi, les uns et les autres s'adressent. Il y aura peut-être des gens qui feront ce choix. On peut le comprendre, indiscutablement. La question à l'heure actuelle, c'est d'être rassemblés. Je vous avais entendu cette consultation que nous allons faire pour que les choses soient exprimées. Mais il n'y a pas d'ambiguïté non plus de notre point de vue. Nous sommes une force opposée aux idées de l'extrême droite, qui non seulement apporte un programme qui n'est pas un programme de progrès social, mais en plus qui est raciste, ce qui pose quand même toute une série de problèmes parce qu'il fracture le pays. Eh ben, la déclade Roussel, on prend l'apéro. Et oui, toujours, c'est toujours l'heure pour Fabien Roussel de prendre l'apéro. Quels que soient les problèmes, finalement, c'est la Fabien, deux mots sur la déclaration d'Alexis Corbière. Pas une voix pour Marine Le Pen. On fera une consultation comme en 2017. Non, mais en fait, depuis le début de cette soirée, les mots qui reviennent tout le temps, c'est confirmation, continuité sur beaucoup d'aspects. Là aussi. Bon, là, c'est le cas, en fait. Ouais. C'est que déjà, alors ce qui avait déjà choqué certaines personnes, qui avait déjà créé des controverses il y a 5 ans, c'est ça, c'est qu'il ne veut pas, par rapport à l'électorat qui est le sien, et dont il sait aussi qu'il y a une bonne part des gens, des secteurs importants qui vont avoir du mal à faire le geste d'aller voter Emmanuel Macron, ou qui ne le feront pas, tout simplement. Il veut éviter de les brusquer, et donc en fait il s'en tient à la ligne minimale, si j'ose dire, qui est de dire évidemment notre histoire nous différencie de l'extrême droite, donc pour nous pas de voix pour eux, mais aucune consigne explicite pour voter pour le chef de l'État, et là encore une fois c'est ce qui avait lieu il y a 5 ans. Quoi. Cécile Douillet, quand même quelques mots là-dessus, maintenant s'ouvre cette phase du second tour. On l'a vu, hein, Jean-Luc Mélenchon qui sait que son électorat est divers. On sait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui, dans un second tour, Macron-Le Pen, ne sont peut-être pas incités à voter, notamment des gens de gauche, parce qu'on l'a vu déjà en 2017. En fait, on le sait déjà. Là-dessus, est-ce que vous croyez, est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron est en mesure de donner des signaux? Et même s'il donne des signaux, si ce sont des choses qui, derrière, seront suivies des faits. On a bien vu qu'en 2017, ça n'a pas été le cas. C'est effectivement difficile, parce que d'autant plus que la polarisation de la campagne sur l'extrême droite a aussi des effets sur certaines propositions d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que il a quand même aussi proposé la suppression de certains recours en matière d'asile, qui était une proposition qui avait d'abord été faite par Valérie Pécresse, donc avec cette idée refus d'asile égale obligation de quitter le territoire français. Et puis, il y a quand même eu la loi séparatisme, etc. Donc, c'est quand même pas anodin, je pense, et que ça peut d'autant plus rebuter, me semble-t-il, un certain nombre d'électeurs et d'électrices de Jean-Luc Mélenchon de voter pour Emmanuel Macron. Parce que, de fait, il y a quand même eu une mise à l'agenda de ces enjeux-là par Emmanuel Macron pendant son mandat et pendant la campagne. Quoi. Ce qui, pour le coup, était une différence par rapport à 2017, où il avait
adopté ce fameux. À l'époque, il avait au contraire une attitude beaucoup plus ouverte. Il vantait l'ouverture et l'humanisme d'Angela Merkel. Enfin, il avait sur ces questions-là, il avait fait des déclarations reconnaissant les crimes de la colonisation. Enfin, sur ces enjeux plus liés effectivement à l'immigration, à l'islam, il avait des positions beaucoup plus ouvertes que celles que ses gouvernements ont tenues ces cinq dernières années et certaines de ses prises de position pendant la campagne. Quoi. On peut entendre la déclaration de Marine Le Pen et on en parle juste après. Mes chers compatriotes, Français de métropole, Français d'outre-mer et Français du monde, le peuple français s'est exprimé et me fait l'honneur d'être qualifié au second tour face au président sortant. Qu'il me soit permis d'exprimer aux millions d'électeurs qui m'ont témoigné leur confiance ma plus sincère gratitude. J'en mesure avec humilité toute la responsabilité. J'y vois l'espoir. L'espoir que se lèvent les forces de redressement du pays. Lors de ce premier tour, les Français ont manifestement tenu à arbitrer par le pays un choix fondamental entre deux visions opposées de l'avenir. Soit la division, l'injustice et le désordre imposés par Emmanuel Macron au profit de quelques-uns, soit le rassemblement des Français autour de la justice sociale et de la protection garantie par un cadre fraternel autour de l'idée millénaire de nation et de peuple. Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. Je me félicite que ce débat si essentiel, que je souhaite loyal et respectueux, puisse durant ces 15 jours se dérouler pour que le peuple français, le peuple souverain, soit en mesure de l'arbitrer par son vote le 24 avril prochain. Dans cette campagne, j'ai décidé d'être libre des attaches partisanes pour être au service de tous et de m'adresser directement à vous. Je continuerai à le faire pour être, si vous le décidez, au lendemain du second tour, sans exclusive aucune, la présidente de tous les Français. Et le dessin de Thibaut Soulcier pour ponctuer cette prise de parole de Marine Le Pen, finaliste pour le second tour de 2022. Un sourire qui ne lui dit rien, qui vaille. Marine Le Pen fait un appel à tous ceux qui ne voudront pas voter pour Emmanuel Macron. Elle se tourne plutôt vers la droite ou finalement vers les électeurs de gauche ? Ça a toujours été sa position. C'est là d'ailleurs qu'elle est différente de Marion Maréchal, c'est-à-dire et de Éric Zemmour, qui eux disent la droite, toute la droite, rien que la droite. Elle, son mot d'ordre, ça a toujours été ni droite ni gauche. Donc d'aller au-delà de ces clivages. Donc il n'y a rien d'inattendu dans son discours. Et on peut toujours lui redire la même chose quand elle parle de rassemblement, de fraternité, de justice sociale. Oui, mais pas pour tout le monde. Donc c'est la préférence nationale qui est au cœur. Mais là, elle prend un ton calme. Elle a tiré les leçons de son débat raté du deuxième tour. Donc elle se met dans une posture présidentielle qui est celle de rassembleuse. Il faudra voir ce qui se passe entre les deux tours. Justement, dans un entretien que vous nous aviez accordé, donc là, il y a quelques jours à Mediapart, vous disiez qu'il fallait être vigilant, que rien n'était impossible. Ouais. Elle est à nouveau qualifiée pour le second tour. C'est donc la deuxième fois qu'elle l'est. C'est la troisième fois que l'extrême droite l'est depuis 20 ans. Quel est, selon vous, avec les réserves de voix et les calculs qu'on peut faire, le risque est-il réel? Je vais redire ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire c'est très improbable, mais rien n'est impossible, tellement il y a une lassitude dans le corps électoral, tellement il y a des tentations d'abstention, même si on considère que Marine Le Pen, ce n'est pas du tout la candidate que je voudrais, je dis, il va falloir remobiliser. Et les campagnes, très souvent, l'électeur ou l'électrice, ils ont une idée en tête, mais la campagne, elle les mobilise, elle fait passer une préférence en bulletin de vote. Donc là, il va vraiment falloir mobiliser son camp. Est-ce que c'est bien parti comme Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur et chef de file des députés LREM, dit il y a une vraie dynamique en la faveur d'Emmanuel Macron, mais rien n'est fait, les Français doivent choisir qui ils veulent comme chef des armées. Là, je suis assez... c'est intéressant. C'est une vision, peut-être... C'est vrai que nous avons ce conflit en Ukraine, mais je trouve ça... Est-ce que ce n'est pas un lapsus?
Ou peut-être justement, il veut faire référence. Enfin, c'est une manière de remobiliser autour de Macron pour rappeler que il a déjà connu lui cette situation de, en tant que chef d'État. Enfin, voilà, c'est un peu réducteur peut-être comme fonction de chef de l'État. Certes, mais je suis pas sûre que ce soit un lapsus en tout cas. Non, c'était ironique. La présence de Marine Le Pen au second tour, y compris si elle, même si elle ne gagnait pas cette élection présidentielle, mais si son score continue d'augmenter, quel effet ça aura sur le débat public? Ça continue à avoir un effet sur le débat public, sur la droitisation de ce débat public? Ben, oui, ça veut dire qu'il y a une dynamique, ça veut dire qu'il y a une minorité, mais une minorité non négligeable d'électeurs et d'électrices qui sont sur cette ligne. Mmh. Ça veut dire aussi que ce discours qui est à la fois anti-immigré et populiste a de beaux jours devant lui. Mmh. Donc c'est cela que ça veut dire. Florent Gouy. Oui, qu'on remette un peu, enfin, pour mettre les choses en perspective, c'est le plus haut niveau du RN à l'élection présidentielle. Mmh. Donc jamais, c'est 24% qui sont confirmés. Ouais. C'est le meilleur score de Marine Le Pen jusque-là. C'était Marine Le Pen, et c'était la dernière fois en 2007, c'était 2017, et c'était 21%. Et maintenant, si on compte l'ensemble cette droite radicale en y adjoignant au minimum Éric Zemmour, on est probablement au-delà de 30%. Mmh. Donc là, on a affaire à un saut. Et peut-être qu'en termes de voix, on passe un seuil. Là aussi, il faudra voir. Mmh. Je ne sais pas encore, vu l'abstention. A priori, oui. Après, vous moi, je suis très méfiant sur la question des voix, parce que le corps il y a de plus en plus d'électeurs en France, parce que on est une plus grande population. Donc, les comparaisons en nombre de voix, je suis parfois un peu méfiant sur en proportion des inscrits, quand même. Mm-hmm. Je veux dire, c'est là que ça sera intéressant. Mais les inscrits augmentent aussi dans le temps. En pourcentage, c'est net. Il y a ce premier saut, et de fait, à aucune autre élection. Jusque-là, ce pôle de droite radicale n'avait obtenu autant de suffrages. Oui. Le précédent record, c'était aux élections régionales de 2015, dans le contexte post-attentat, et c'était 28,5%. Donc on a affaire là à une droite radicale qui a un niveau qui est très élevé. Une partie de l'histoire du début de la campagne avec la percée d'Éric, la percée au minimum qui était mesurée par les enquêtes d'opinion et les débats qu'il y avait au sein de cette famille politique-là, c'était l'incapacité de Marine Le Pen à gagner le second tour de la présidentielle. Et c'est ça le sens de la candidature de Zemmour. C'est en disant, en fait, elle n'est pas capable. Elle l'a montré en 2017, donc il nous faut une autre offre politique. Je ne suis pas certain que ce soit réglé, cette question-là, pour l'instant. Elle reste toujours sur la table. Et de ce point de vue-là, elle va jouer gros lors du débat de l'entre-deux-tours, si jamais il y a effectivement débat d'entre-deux-tours, et on verra s'il a lieu ou pas, entre Emmanuel Macron et elle-même, avec comme objectif pour Marine Le Pen de ne pas paraître comme étant une personne peu crédible pour gouverner. Elle n'arrête pas de dire j'ai travaillé. En fait, et de fait, elle aura 2h30 pour le montrer à la télévision devant tous les Français et toutes les Françaises pour prouver sa crédibilité à pouvoir gouverner. Et les résultats du second tour, après, nous dirons également jusqu'à quel point son niveau électoral, elle arrive à rattraper une partie de l'écart qui est resté considérable en 2007. C'était quasiment 30 points d'écart au second tour. Là, évidemment, on peut se qualifier au second tour, ça rapproche de la victoire. Mmh. Si on n'est pas au second tour, on ne peut pas gagner. On sait déjà que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas président de la République. Mais en revanche, quand on est au second tour, eh ben, il faut après aller jusqu'à 50%. Et pour l'instant, la droite radicale, elle n'en est encore pas à ce genre de niveau sur l'ensemble du territoire français. On passe par petit coucou à Thibaut Soulcier qui a fini un dessin. Coucou, de plus. Oui. Bon, alors tu préfères voter Kinder Surprise avec de la salmonellose ou pizza butoni au colis. La peste ou le colère, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Joli. Effectivement. Nona Maillard, peut-être un mot sur le climat de cette campagne présidentielle. Finalement, Florent Gougou en parlait. On nous a décrit pendant des mois, et je suis content, on est tous contents ici collectivement de ne pas y avoir participé à Mediapart, une sorte de surenchère entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen, excusez-moi, Marine Le Pen et Éric Zemmour, l'émergence d'Éric Zemmour, Marine Le Pen qui se retrouve en difficulté face à l'émergence d'Éric Zemmour, des ralliements de gens qui quittent le RN pour rejoindre Éric Zemmour, l'ascension d'Éric Zemmour dans les sondages, Éric Zemmour chez Hanouna, Éric Zemmour partout, ça a créé finalement une bulle d'attention générale autour des thématiques de l'extrême droite et on se retrouve ce soir avec ce résultat. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre tout ça ?
un lien de cause à effet entre quoi et quoi. Le fait que pendant des mois, nous avons évolué dans une bulle où on nous a raconté des histoires sur l'extrême droite et une concurrence qu'on nous présentait entre deux candidats, qui est réelle, puisque c'est deux candidats qui sont sur des divergences politiques. Mais aujourd'hui, ce qu'on dit là, ce soir, c'est que, de fait, on a une extrême droite de façon large, forte au premier tour de cette présidentielle. Oui, mais avec une différence entre ces deux candidats. Je veux dire, il faut quand même voir, c'est pas entièrement, vous êtes en train de nous dire que c'est une construction médiatique au fond, l'affrontement entre Zemmour et Marine Le Pen. C'était un peu plus que ça. Il y a eu un moment où il a vraiment fait une montée dans les sondages et où on a vu que ça a changé à partir du moment où il y a eu le doigt d'honneur face à une passante à Marseille, l'agression sauvage des militants de SOS Racisme lors du meeting à Villepinte, le faire semblant de mettre en joue les journalistes. Il y a un moment où il a éclaté en plein vol, mais il y a eu un moment où il incarnait quelque chose, justement ce que disait Florent Goubou tout à l'heure, le ras-le-bol d'une partie de cet électorat d'extrême droite, de faire des scores mirobolants au premier tour et d'être éternellement battu au second. Et là, il s'est lui-même, il a perdu. Il y a un moment où on a vu tourner et où tous les sondages qu'on peut prendre avec des pincettes, mais qu'on peut prendre quand même avec des pincettes, on a vu que Marine Le Pen avait gagné en crédibilité. Elle était à 28% de la population qui trouvait qu'elle était capable, elle avait la stature d'une présidente de la République en début de campagne, elle est à 39 maintenant, tandis que lui, il est resté à 20, et il est devenu de plus en plus antipathique, de moins en moins crédible, etc. Donc il s'est passé quelque chose entre les deux. Le résultat final, quand même, c'est qu'on a une extrême droite qui est à un niveau jamais atteint, mais je ne suis pas sûre qu'ils arrivent, ils sont eux-mêmes divisés, et ce n'est pas du tout sûr, enfin, la gauche est divisée, la droite est divisée, et l'extrême droite est divisée, et ce n'est pas du tout sûr, une fois de plus, que Marine Le Pen arrive à convertir cela en voix, et ça sera encore une défaite, et là, le camp de l'extrême droite va se déchirer, et il y aura beaucoup de règlements de compte. Nona Maillard, on va vous libérer. Merci. C'est une prison agréable. Pour des quand vous voulez. Merci d'avoir été avec nous. Florent Goubou, il est là, pardon. Vous restez avec nous, Fabien, tu restes aussi. Et Anne-Cécile Douillet aussi, on vous libère. Ouais, moi j'ai une petite question quand même. Une question. On dit au revoir à Nona Maillard. Parce qu'après, on va parler des losers. Donc, Anne-Cécile Douillet, on a beaucoup lu, notamment dans les articles de Mediapart, et parce que du côté de proche d'Emmanuel Macron, la peur, c'était la baladurie d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire on court le risque d'un candidat qui finalement s'endort, qui, alors là visiblement on n'est pas à ce résultat au premier tour, et j'imagine qu'il va maintenant porter le fer contre Marine Le Pen, mais la baladurisation, c'est aussi l'idée d'un candidat un peu déconnecté, hors sol. C'est quand même beaucoup ce qu'on a vu en 5 ans, et ces histoires McKinsey récemment ont quand même montré qu'y compris dans la réaction il y avait une difficulté à comprendre pourquoi ça choquait ? Pourquoi c'était symboliquement important ? Est-ce que ça, c'est pas un des défis principaux face auquel Emmanuel Macron est confronté, encore une fois, comme en 2017 ? C'est-à-dire que, sauf que maintenant, il y a 5 ans de bilan derrière. Oui, 5 ans de bilan et 5 ans d'exercice du pouvoir, de fait, d'une manière très jupitérienne, pour reprendre son propre terme, vertical. C'est-à-dire que, effectivement, très peu d'ancrage local, alors ça a changé en cours de mandat, mais au départ, quand même, une réelle distance vis-à-vis, y compris des élus locaux, une implantation partisane qui est aussi quand même très évanescente, avec une difficulté à construire des soutiens localement, etc. Donc oui, il y a ce risque, mais pour autant, malgré tout, face à affrontant Marine Le Pen au deuxième tour, je ne suis pas sûre que ce soit maintenant que ce risque existe, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Cécile Douillet. On vous libère aussi. Il est 20h59 avant de passer à nos autres invités sur le plateau. Excusez-moi, ça fait 2 heures. Je bafouille un petit peu. On va lancer un jingle pour respirer un bon coup. Voilà, on va lancer un jingle. Et donc, on accueille nos derniers invités pour parler des losers.
Voilà. Les losers ceux de ce premier tour. Qualifiés. On va il y a des losers magnifiques aussi. Exactement. Manuel Servera-Merzal, on les présente peut-être. Ouais, Manuel Servera-Merzal, bienvenue, vous êtes, pardonnez-moi. Moi, j'ai chargé de recherche à l'Université de Liège, vous avez publié Le populisme de gauche, sociologie de la France insoumise, une organisation que vous avez auscultée avec d'autres en Europe, notamment le parti Podemos, c'est publié à La Découverte. Florent Gougou est avec nous et Émilien Ouarvial, on vous a accueilli, vous êtes enseignant à Sciences Po Paris et vous travaillez sur la droite. Voilà. Avec une Valérie Pécresse ce soir qui n'est pas dans sa meilleure forme. On va en reparler, mais d'abord, peut-être, on va faire un petit tour sur les estimations, si c'est bon pour vous, pour se remettre en tête un petit peu où on en est de ce premier tour de l'élection présidentielle de 2022. Emmanuel Macron donné autour de 28,6% des voix, Marine Le Pen 24,4%, Jean-Luc Mélenchon 20,2%, Éric Zemmour beaucoup plus bas 7,2%, Valérie Pécresse 5,1% au-dessus de la barre des 5%, Yannick Jadot 4,6% en dessous de la barre des 5%, on va en parler à l'instant. On a Jean Lassalle 3,3%, Fabien Roussel Parti communiste 2,7%, Nicolas Dupont-Aignan 2,1%, Anne Hidalgo Parti socialiste 1,9%, Poutou et Artaud, Philippe Poutou et Nathalie Artaud, NPA et LO à moins de 1%. Peut-être avec vous quand même, Émilien Ouarvial, et après on parlera de Jean-Luc Mélenchon, mais Émilien Ouarvial, c'est quand même un des faits majeurs de cette soirée, c'est le très très faible score de Valérie Pécresse. Ça vous a étonné de voir l'ampleur de ce crash, contre-performance de ce crash? Oui, un peu, parce que malgré tout, les sondages, là, quoi qu'ils valent, donner Valérie Pécresse autour de 7, 8, 9%, pour parler des tout derniers sondages, et on est peut-être au-dessous des 5%, qui est un score qui est pas loin du lamentable, hein, pour le dire comme ça, surtout par rapport à ce qu'a été le parti des Républicains. Donc oui, c'est surprenant. Ça veut dire qu'il y a eu des phénomènes dans l'électorat de ralliement à l'un ou l'autre des candidats qualifiés au second tour qui a été plus important que prévu. Peut-être une forme de découragement aussi des électeurs qui ont bien compris que voilà, il y aurait rien de signifiant qui sortirait de la candidature de Valérie Pécresse, qui avait rien à espérer, et que donc il fallait exprimer quelque chose d'autre à travers ce vote. Mais oui, c'est sûr que c'est un résultat qui est surprenant et qui aura sans doute de multiples conséquences. Elle a fait des erreurs pendant sa campagne. Comment expliquer ce score ? Je dirais qu'elle a fait des erreurs, en tout cas qu'elle a une posture qui est un peu problématique. Elle a, y compris en termes sur la forme, un peu contre-performé à plusieurs reprises. Le programme était peut-être techniquement meilleur que celui de Macron, en fait, comme elle l'a répété, mais c'est pas ça qui compte, en fait. C'est la capacité à le synthétiser et à avoir quelques mesures claires qui impactent chez les électeurs, et notamment chez ceux qui ne sont pas forcément acquis. Et puis, il y a sans doute aussi un phénomène de long terme de la droite qui s'effrite face à Emmanuel Macron, qui a paru beaucoup plus crédible, finalement, et installé. Et finalement, c'est un peu le résultat d'un phénomène de long terme, voilà, notamment, ne serait-ce qu'une primaire qui était très tardive, qui s'adressait d'abord aux électeurs de la droite, en pensant pas forcément à tous les électeurs, et en fait, c'était, je dis pas qu'elle a été condamnée dès le début à rater, parce que sans doute qu'elle aurait pu faire autrement, mais c'est vrai que tout jouait un peu contre elle, et en ce sens-là, c'est pas si surprenant que ça. Et alors, effectivement, vous expliquez que Emmanuel Macron a d'une certaine manière atomisé la droite, en tout cas a pu faire que son score est aussi bas. Est-ce que ce qu'elle a pu dire est justement tiré vers la droite la plus dure, en parlant de Français de papier, en évoquant le grand remplacement, est-ce que ces termes-là ont pu aussi la desservir, elle qui avait quitté les Républicains parce que le parti tirait trop à droite ? Il y a pu d'abord y avoir un problème pour sa crédibilité, parce que finalement, on ne se rend pas bien compte de ce qu'elle incarne. Avant, elle incarnait une droite un peu libérale, voilà, très, très francilienne quelque part, puis elle change un peu de braquet pour aller, au moment du congrès, puis elle rechange de braquet au moment du premier tour, et donc ce qui fait que ça brouille un peu son image. Et puis oui, il y a peut-être eu une crainte aussi de certains électeurs de droite qui se sont dit, mais attendez, nous, on n'a pas envie d'aller trop frayer avec cette extrême droite-là, que ce soit celle d'Éric Zemmour, celle de Marine Le Pen, et finalement quand c'était un petit peu latent, ça pouvait encore marcher, mais là je pense qu'il y a eu des moments, et on a vu d'ailleurs qu'après le congrès, je pense que c'est pas seulement la forme qui a joué, c'est ces mots qui ont été évoqués, quelle était l'intention qu'elle voulait y mettre. Oui, on sans doute fait peur aux gens et on fait filer certains vers Emmanuel Macron qui lui semblait au moins ne pas avoir ces petites phrases qui détournaient, parce que de toute façon il était en campagne, et voire même au poste de chef d'État.
On a Jean-Luc Mélenchon. Ouais, non. D'abord, on va passer à Jean-Luc Mélenchon parce qu'on va l'entendre tout à l'heure. Mais Florent Gougou, ça m'intéresse. On en parlait tout à l'heure sur le précédent plateau. Ça vous intéressera aussi possiblement. Éric Zemmour, à l'instant, vient d'appeler à voter pour Marine Le Pen. Alors, il s'était moqué de Valérie Pécresse en disant qu'elle appellerait à voter à 20h02. Finalement, lui, il a appelé à voter à 21h pour Emmanuel Macron. Lui, il a quand même attendu une heure. Mais on n'était pas sûr que ça viendrait là, que ça viendrait même. Donc là, il a à voter pour Marine Le Pen, c'est finalement étonnant ou pas ? Enfin, je ne sais pas si c'est jusqu'à quel point c'est étonnant, mais c'est plutôt, en tout cas, c'est une bonne nouvelle enregistrée par Marine Le Pen ce soir, d'avoir des ralliements, en fait. Déjà, on avait noté en 2007 le fait que Nicolas Dupont-Aignan appelle à voter pour elle était une nouveauté. Et il y avait des gens qui se ralliaient à sa candidature. On va voir, Nicolas Dupont-Aignan va devoir prendre la parole aussi ce soir. Pour savoir, on ne sait pas encore. Pour savoir ce qu'il va faire. Et en fait, si plus Marine Le Pen va enregistrer de ralliements sur son nom, plus elle la met en position de dynamique vers le second tour, en montrant qu'elle n'est pas seulement qu'elle n'est plus complètement marginalisée, mais qu'il y a d'autres forces politiques qui peuvent aussi se rallier à elle dans les seconds tours d'élection. Alors, c'est pas surprenant, parce qu'on a affaire quand même à des périmètres qui sont relativement proches, mais pour autant, en fait, il vaut mieux ça que l'inverse, à savoir qu'avec Zemmour aurait ce soir appelé à voter ni Macron ni Le Pen. Et donc, de fait, de ce côté-là, il n'y a pas de chance. D'autant que dernière chose, le ton du début de campagne était quand même pour le moins vindicatif vis-à-vis de Marine Le Pen. Donc, de ce point de vue-là, probablement que le niveau électoral qu'il a atteint ce soir lui a remis les pieds sur terre. Oui, d'ailleurs, il le dit, je sais que certains ne voudront pas voter pour Marine Le Pen, je les comprends, car j'ai acté les différences au sein même de l'Union des droites. Voilà. Eh bien, écoutez, on va passer un petit peu, à la gauche, avec quand même le score de Jean-Luc Mélenchon ce soir, qui est un score, Manuel Cervera-Merzal, que vous définiriez comment ? Ben, comme identique quasiment à ce qu'on nous dit à celui d'il y a 5 ans, puisqu'il avait fait 19,58% des suffrages exprimés. Là, à l'heure actuelle, il est estimé à 20,2%. Donc ça nous donne à peu près le même nombre. La grosse différence, c'est qu'il y a 5 ans, il était passé à 600 000 voix du second tour, donc en fait à 600 000 voix. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression de revivre la même soirée électorale. Ouais, hein, et en plus, comme moi, je suis spécialiste d'un candidat qui, finalement, 5 ans plus tard, on a le même candidat, avec le même programme, avec le même logo, avec à peu près la même équipe. J'ai vraiment un sentiment comme ça d'être reprojeté 5 ans en arrière. Ouais. Mais non, si, il y a quand même une différence majeure ce soir, c'est qu'il était à 600 000 voix, donc à peu près un gros pourcent du second tour il y a 5 ans. Là, il est, nous dit-on à l'heure actuelle, à quand même 2 millions de voix, à 4% de Marine Le Pen. L'écart s'est creusé, en fait. Et quand on regarde le panneau général, famille politique par famille politique, on a l'impression, effectivement, que du côté de la gauche qu'incarne Jean-Luc Mélenchon, c'est resté assez stable. Alors, on peut dire que c'est pas mal de rester stable, sachant tout ce qu'il a traversé, les perquisitions, les mauvais scores aux élections intermédiaires, ses positionnements sur l'Ukraine, sur les vaccins, tout ça. Puis, du côté, on peut dire, il a réussi à maintenir, ou plutôt parce qu'il les avait perdus en fait en cours de route. Il a réussi à ramener à lui cet électorat qu'il avait il y a 5 ans, qui s'était un peu décroché, et finalement il le reprend, ça. Si on est optimiste, on peut présenter les choses sous cet angle-là, mais si on prend un peu de recul, bon, en fait, finalement, il ne progresse pas, alors que Emmanuel Macron semble, lui, de manière modeste, mais quand même, être passé de 24 à 28%, et surtout, et pour moi, c'est ça le fait marquant de la soirée, alors on peut effectivement réfléchir, il faut le faire, sur la porosité entre les électorats d'extrême droite, Zemmour, Le Pen, Pécresse, qui va se rallier à qui, etc. Mais grosso modo, si on fait les totaux et qu'on prend les grandes familles politiques, l'extrême droite en France aujourd'hui, elle est 5, 6, 7, 8% plus haut que ce qu'elle était il y a 5 ans. Pourquoi ? Voilà, ça a très bien été dit pendant la soirée. Enfin, je veux dire, il y a un président candidat qui a passé 5 ans à jouer avec le feu, quoi, et à les faire monter pour nous appeler, j'imagine qu'il va le faire dans quelques minutes, à faire barrage à l'extrême droite. Mais loi immigration, loi séparatisme, loi sécurité globale, etc., etc., j'en passais des meilleurs. Le résultat, en fait, finalement, on s'y attendait un peu tous. C'est ce qu'on est en train de vivre ce soir. Et on revit un peu la même soirée, en effet, qu'il y a 5 ans. On va justement donc écouter le message de Jean-Luc Mélenchon à ses militants. L'État dans lequel se trouve la patrie et son peuple, sur tous les points du territoire, un État d'exaspération
et le sentiment d'être entré dans un état d'urgence écologique, sociale, et maintenant, encore une fois, nous le voyons ce soir, un état d'urgence politique. Car le tableau que vous avez sous les yeux, tel qu'il a été voulu, non de notre fait, ni même du fait du peuple français, mais des institutions de la Ve République et de cet étrange système de tirage au sort qui aboutit à vous demander de choisir entre deux mots, dont vous sentez à la fois qu'ils sont terribles pour vous-même et qu'ils ne sont pas de même nature. Et chacun d'entre vous se trouve mis au pied du mur de sa conscience, de la décision qu'il doit prendre. C'est la condition humaine d'être sans cesse confronté à des décisions qui sont souvent difficiles à prendre. Eh bien, la dernière fois que s'est-il passé, je vous ai dit ce que je vous redirai. Non. Je connais votre colère, mes compatriotes. Vous tous dont j'ai parlé il y a quelques instants, je connais votre colère. Ne vous abandonnez pas à ce qu'elle vienne à vous faire commettre des erreurs qui seraient définitivement irréparables. Tant que la vie continue, le combat continue. Et c'est mon devoir de vous dire, comme étant le plus ancien d'entre vous, que la seule tâche qu'on a à se donner, c'est celle qui accomplit le mythe de Sisyphe. La pierre retombe en bas du ravin, alors on la remonte. Vous n'êtes ni faible, ni sans moyens. Vous êtes en état de mener cette bataille, et la suivante, autant qu'il y en aura. Alors voilà, on sort sur le dessin de Thibault Soulcier, faites barrage à l'extrême droite, votez idiot utile. Voilà. Ça se passe de commentaires. En revanche, je vais vous demander un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre, sur ce que vient de dire Jean-Luc Mélenchon, qui parle d'état d'urgence politique. Alors, on n'a pas, c'est pas l'extrait où il donne sa consigne de vote ou de non-vote, oui. Puisqu'il a redit pas une voix à Marine Le Pen, tout en précisant la consigne, enfin tout en précisant qu'une consultation serait faite. Donc, on est à nouveau dans la parfaite redite de 2017. Et on entendait tout à l'heure Alexis Corbière qui disait qu'il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus, pas un vote à Marine Le Pen et en même temps une consultation. Il n'y a pas d'ambiguïté du tout. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il y en a. Si, il a un électorat qui est, mais en fait, comme tous les électorats, qui est hétéroclite, qui est composite, lui, il a un enjeu aujourd'hui. C'est pour l'avenir, pour les prochains scrutins, notamment pour les législatives, mais pas que, mais c'est de maintenir uni cet électorat-là. Il le sait, il a pu le vérifier il y a 5 ans, qu'il a une partie de son électorat qui va aller voter sans hésiter pour Emmanuel Macron. Il a une partie, je pense qu'aujourd'hui, c'est la majeure partie de son électorat qui va voter blanc, s'abstenir, et une petite partie, alors moins que ce que nous disent certains sondages alarmistes, vite brandis comme ça par les éditorialistes qui disent « Ah, regardez la porosité ». Des électorats entre la France Insoumise et le Rassemblement National, c'est pas vrai. Il y a 5 ans, par exemple, je suis allé un peu fouiller dans les archives pour voir, il y a 5 ans, on avait comme ça des sondages et des éditorialistes qui nous disaient qu'il y avait 30% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour qui voteraient pour Marine Le Pen au second tour. En réalité, on était aux alentours de 10-12%. Et je crois que c'est pas plus chez lui que chez d'autres. Non, c'est un petit peu plus chez lui que chez l'électorat de Yannick Jadot et de Anne Hidalgo. Ouais. Il faut être honnête, c'est même le double d'ailleurs. Mais ça reste bien moins important que ce que l'électorat. En fait, c'est l'électorat de droite qui est susceptible de basculer majoritairement vers. Donc, en réalité, et puis même, on a tout un tas d'enquêtes un peu solides sur, quels sont les... Parce qu'on dit qu'il y a un vote ouvrier pour Jean-Luc Mélenchon, il y en a un autre pour Marine Le Pen, et c'est ces gens-là qui peuvent basculer, mais en réalité, c'est pas les mêmes segments du vote ouvrier, enfin, c'est pas dans les mêmes types d'entreprises, c'est pas les mêmes situations d'emploi. Donc, il y a une porosité, mais qui est souvent un peu surestimée. Florent Gougou, un mot sur...
ce que vient de dire Jean-Luc Mélenchon et ce dont on vient de parler. Ouais, la première chose sur laquelle je voulais réagir, c'est le fait qu'on a l'impression on dit depuis tout à l'heure qu'on revit la même soirée électorale. En fait, on ne revit pas quand même tout à fait la même soirée électorale. Ouais. Il y a 5 ans, on disait qu'il y avait 4 candidats. Il n'y en a plus que 3. Donc en fait, il y a quelque chose qui s'est passé et qui n'est pas complètement négligeable dans cette opération-là. Et qui dit aussi, qui rappelle qu'au fond, on est probablement un peu plus proche de quelque chose qui est un mix entre les élections législatives de 2007 et les européennes de 2019, qui avaient montré en fait l'effondrement de LR et le déplacement du centre de gravité de l'électorat Macron vers sa droite, et qui est probablement en fait l'explication du fait que ce soir il passe de 24 à 28%. Mmh. C'est qu'en fait il a su séduire une partie de l'électorat de la droite classique et au cours du mandat et le conserver et le transformer. On verra demain quand on aura des résultats électoraux qui arriveront et qu'on pourra les regarder dans certains territoires. Je mets ma main à couper ici que vous allez voir des choses spectaculaires dans le 16e arrondissement de Paris où François Fillon faisait encore quasiment 60% en 2017 et va probablement complètement s'effondrer. Et peut-être même, en revanche, des transformations avec dans le centre de Paris, par exemple, où Emmanuel Macron faisait ses meilleurs résultats en séduisant une partie de l'électorat de gauche libérale, et même peut-être que là, il n'y aura pas la même type de dynamique qu'on va observer. Donc il y a des choses qui se passent, et on a l'impression d'avoir les mêmes protagonistes, les mêmes types de réflexes, à savoir non à l'extrême droite, mais pour autant, il y a des rapports de force électoraux qui ne sont plus ceux du premier tour de la présidentielle, mais qui sont plutôt ceux de l'ensemble de la séquence de 2017. Plus l'effondrement de LR qui était déjà enclenché aux législatives et qui a été achevé lors des élections européennes de 2019. Sur la question, redites-moi la question parce que je l'ai oubliée. c'est une réaction. Peut-être rebondir parce que vous êtes spécialiste du vote ouvrier sur les fractions des milieux populaires aussi. Ouais. La distribution entre droite et gauche, ça peut être intéressant. Ouais. Alors, ce que je pense dans les enquêtes d'opinion, c'est que le vote de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un vote il n'est pas spécialement marqué par un survote ouvrier. En quelque sorte, aujourd'hui, en fait, s'il y a un candidat qui a un survote ouvrier et qui est devenu massif aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. Et donc, il y a à peu près, elle a quasiment le double de Farrestha qui est souvent 15 à 20 points supérieur dans le monde ouvrier par rapport à ce qu'il est dans la moyenne de son électorat. Et Jean-Luc Mélenchon a un électorat qui est pas du tout, ça ressemble pas du tout à l'électorat du Parti communiste dans les années 70 qui, lui, avait un survote ouvrier qui était massif. Résultat, c'est pas, ce genre de transfert, en fait, qu'on voit, il y a plein de théories comme ça en sciences politiques, ou même en plus chez les observateurs de la vie politique qui racontent qu'il y a comme un fer à cheval et qu'il y a au fond, entre la gauche radicale et la droite radicale, il y a le mot radical qui est partagé. Résultat, on pourrait passer de l'un à l'autre sans coup férir. En fait, c'est pas ce que disent les enquêtes d'opinion qui mesurent les reports de voix entre les deux tours. C'est pas ce que disent les résultats électoraux. Quand vous regardez la géographie électorale, comment se passent les reports de voix. Et c'est pas prioritairement là que Marine Le Pen a des réserves importantes pour le second tour. En fait, au fond, s'assurer un report important de l'électorat LR, même s'il est pas si, même si ce sont 5%, en fait, 5% ici, plus encore 2,5% chez Nicolas Dupont-Aignan, plus encore 7% chez Zemmour, l'espace politique sur lequel elle doit d'abord, j'imagine, elle va d'abord se concentrer, plus après avoir des gens qui vont effectivement en fait venir sur Marine Le Pen, mais sans spécialement qu'elle s'adresse directement à eux, ou que ces personnes aient des accointances parce que en fait on est extrémiste, ou on serait extrémiste, et on voterait nécessairement pour les partis les plus extrêmes, qu'ils soient de gauche et qu'ils soient de droite. Rappel, parce que c'est vrai que c'est un récit qu'on a souvent entre deux tours d'élection. Donc si on se faisait un petit point sur les appels à voter pour les uns et les autres, donc on a Nicolas Dupont-Aignan qui appelle les Français à tout faire pour faire barrage à Macron, donc on attendait sa réaction, et puis on a aussi celle d'Éric Zemmour qui a donc appelé à voter Marine Le Pen. On l'écoute. Notre ligne a sa singularité et elle n'est représentée nulle part ailleurs. Nous sommes les seuls à défendre notre civilisation et notre identité dans la culture, à l'école, dans la rue, dans nos mœurs, dans notre vision de l'écologie, de la politique, de la société. Nous sommes les seuls à vouloir réconcilier le peuple et les élites, les salariés et les patrons, les gilets jaunes et la manif pour tous, les abstentionnistes et la politique. Je suis déterminé
à poursuivre le combat avec tous ceux qui sont à mes côtés, tous ceux qui nous rejoindront dans les semaines à venir, et je vous dirai très vite la forme que prendra notre action. Je veux dire pour finir, parce que je pense à la France avant tout, parce que c'était tout le sens de ma candidature, que je ne peux pas rester les bras croisés devant les maux qui guettent notre pays. J'ai bien des désaccords avec Marine Le Pen, je les ai abordés pendant cette campagne. Je n'en referai pas la liste. Mais il y a face à Marine Le Pen un homme qui a fait entrer 2 millions d'immigrés, un homme qui n'a pas dit un mot d'identité, de sécurité, d'immigration pendant sa campagne et qui fera donc pire s'il était réélu. Je ne me tromperai pas d'adversaire. C'est la raison pour laquelle j'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen. Donc, Florent Gougou, on parlait des réserves, à la fois des réserves de voix de Marine Le Pen et de sa capacité à attirer vers elle d'autres personnalités politiques. On a Nicolas Dupont-Aignan qui donc, a fait autour de 2%, qui a dit qu'il voterait Marine Le Pen et qu'il fallait faire barrage à Emmanuel Macron. Et puis là, on vient d'entendre Éric Zemmour donc, qui appelle aussi à voter Marine Le Pen. Ça lui fait donc une bonne réserve, et non pas un comme en 2017, mais deux candidats se tournent vers elle. Ouais. Au-delà de la question de la réserve, en fait, c'est plutôt la symbolique qui se joue là derrière. En fait, et c'est la capacité d'être, encore une fois, à ne pas être ostracisé. Mm-hmm. C'est le sort qu'a eu le Front National depuis sa percée aux européennes de 84 jusqu'à ce que Jean-Marie Le Pen passe la main à Marine Le Pen. C'est que c'était un parti qui était ostracisé et donc personne n'allait appeler à voter pour le Front National, et c'était vraiment quelque chose qui était honni. Encore une fois, il y a la seule exception, c'est Bruno Maigret en 2002, qui lui-même en fait était une scission du FN. Et de ce point de vue-là, en fait, il y a des choses qui ont bougé avec des candidats qui, en fait, dans un second tour, n'ont pas de problème à dire qu'ils vont aller voter pour Marine Le Pen. Et de fait, ça lui permet, elle, de son côté, de raconter le récit du rassemblement, qui est un récit qui n'aurait absolument aucun sens si jamais il n'y a personne qui voulait venir avec elle. Ouais. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Émilien Warial, vous vouliez en parler un petit peu sur l'avenir de Reconquête. Reconquête, ça fait partie de ces mouvements, finalement, c'est autour de la personnalité d'Éric Zemmour. Finalement, ça fait partie de ces nouveaux mouvements, en fait, qui, depuis quelques années, se sont créés autour d'une personne. Et évidemment, dans un autre espace politique, La République En Marche, avec ses évolutions, ça a été la même chose. Un parti comme ça qui flotte idéologiquement, mais autour d'une personne pour l'accession au pouvoir. Ça a réussi pour Emmanuel Macron, c'est pas le cas ce soir, clairement, là, pour Éric Zemmour. Vous pensez, c'est quoi l'avenir, là, d'un mouvement comme ça, autour d'Éric Zemmour, rappelons-le, qui, encore il y a quelques mois, a été journaliste, qu'on voyait partout, enfin, polémiste, plutôt. C'est quoi l'avenir, c'est quoi la suite, là, pour un mouvement comme celui-ci? C'est vrai que le problème de ce type de mouvement, donc, qui est très personnalisé, qui est même le parti personnel, comme on peut le dire en sciences politiques, c'est qu'il dépend fortement de son leader. Donc si le leader part parce qu'il décide qu'il n'y a plus rien à faire, et que finalement il avait l'élan pour une campagne, et que finalement c'est plus intéressant, par exemple, d'aller vendre des livres, et bien quelque part, le parti peut s'effondrer, peut être repris par quelques identitaires, mais ce sera tout. Et en fait, tout dépendait un peu du score. Là, est-ce que le score va donner envie à Zemmour de rester en politique comme ça, et ce qui va donner aussi aux cadres qui sont partis du RN de rester et de faire campagne seul, est-ce qu'il va pas y avoir une forme de repentance de leur part et d'aller retourner là où il y a quand même peut-être un peu plus d'espoir, c'est-à-dire chez le RN. Je vois quand même mal d'avenir pour Reconquête, pas beaucoup d'avenir pour Reconquête dans les prochains mois. Aux législatives, je doute qu'ils fassent de très bons scores, peut-être que les collards et compagnie seront réélus, mais parce qu'ils ont déjà été élus. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de financement propre, il n'y aura pas d'organisation, peut-être que le leader partira, donc je ne vois pas grand-chose, et il est possible que, même si ça aura été quelque chose de marquant, quoi, remobiliser des gens derrière une ligne particulière beaucoup plus provocatrice, finalement, que Marine Le Pen a voulu le montrer ces derniers temps, je pense que le RN a bien montré qu'il était hégémonique dans cet espace de l'extrême droite aujourd'hui. Je crois que vous vouliez ajouter un petit mot sur ce qu'on a entendu tout à l'heure, la réaction de Valérie
Valérie Pécresse son appel à voter pour Emmanuel Macron. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle a utilisé les termes de Jacques Chirac en 2002, et en fait, ça montre bien qu'elle a plus d'autre chose quand même que ce patrimoine politique et idéologique de la droite, qui est de faire appel aux grandes figures. Alors, on a parlé tout le temps dans sa campagne, Sarkozy, Chirac, même Pompidou y est passé. Et là, en fait, on ressort du Chirac de 2002, alors que Chirac lui-même est en position de gagner, et en plus, c'était dans une époque de la droite qui était un peu plus libérale et un peu plus claire sur son positionnement vis-à-vis de l'extrême droite, même si, voilà, elle n'a pas appelé quoi que ce soit, il n'y a que Éric Ciotti pour entretenir une ambiguïté comme ça, mais elle est obligée, finalement, de recycler des vieux mots de la droite pour avoir quelque chose à dire sur ce moment politique. Et aussi, on voit que ce dont dépendait l'ostracisme ou non du RN ces dernières années, c'était aussi de savoir si les Républicains allaient accepter ou pas les alliances. Et Marine Le Pen a demandé, par exemple, dès 2017, dans les élections législatives à Mayotte, par exemple, de faire alliance avec les Républicains. Et là, on voit que ça n'a même plus de pertinence de chercher à faire alliance avec les Républicains. On verra s'ils ont encore quelques députés. Mais sinon, avant, c'était de eux que dépendait ou pas, je dirais, cette ostracisme, cette marginalisation du Front National, du Rassemblement National. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, ça remet en plus, encore plus en question leur avenir. Est-ce qu'ils seront toujours les parias de la vie politique française ? Pardon, juste une petite relance. Vous disiez, il n'y a plus que Éric Ciotti. C'est à la primaire, c'est quand même un quart des militants qui ont voté aux primaires LR, effectivement. Oui, puis après, on peut citer Nadine Morano, pourquoi pas Laurent Wauquiez. On peut toujours trouver des gens comme ça. C'est vrai qu'au sein de la nomenclatura de LR, c'est vrai que c'est quand même plutôt marginal la part de ceux qui entretiennent ces cours de droite radicale, qui vont par exemple accepter de dire que le grand remplacement, ça existe et qu'il faut lutter contre. Donc, pour eux, il y aurait une tentation de se dire, est-ce qu'on reste dans le parti et qu'on le met à la sauce Zemmour, ou est-ce qu'on part carrément à l'extrême droite? Mais moi, je pense que la plupart des gens aujourd'hui vont plutôt essayer de chercher une reconversion du côté Macron compatible que du côté Zemmour. Évidemment, ça, c'est significatif malgré tout. On va ouvrir un chapitre gauche, si vous voulez bien, quand même, parce qu'il faut qu'on en parle et on a quand même pas mal de choses à dire. On va ouvrir ce chapitre. On a commencé à parler de Jean-Luc Mélenchon et on va en reparler substantiellement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'il est le troisième homme de cette présidentielle, sa troisième candidature à la présidentielle. Est-ce que ce sera sa dernière ? On verra. Mais on va, pour lancer ce chapitre, écouter la réaction de Yannick Jadot, le candidat écologiste crédité ce soir d'un score assez faible, autour de 4%, 4-5%. Et vous le savez, c'est peu dire, pourtant, que ces enjeux vitaux, vitaux pour notre pays, vitaux pour nous et nos enfants, ont été largement ignorés dans cette campagne, confisqués. Nous en tirerons toutes les leçons. L'écologie sera donc absente du second tour. Elle ne peut pas l'être du quinquennat. C'est pourquoi il faudra bien et vite, très vite, lors des élections législatives, regarder et enfin voir la situation en face et agir. Il faudra bien voir l'urgence vitale de la bataille pour le climat et la biodiversité. Il faudra bien voir les menaces contre la démocratie ici et en Europe. Il faudra bien sortir d'une société morcelée, bloquée, empêchée, méprisée, qui tourne le dos à la jeunesse. Il faudra entendre la voix et répondre enfin à celles et ceux qui réclament plus d'égalité et de justice sociale. Je sais que la mission historique des écologistes est de faire entrer la France dans ses combats de vie et de dignité. Les élections législatives en seront l'occasion. L'écologie a besoin dès ce soir de votre soutien financier pour poursuivre ces indispensables combats. Je vous invite à vous rendre sur le site soutenirlecologie.fr pour faire un don. Nous ne lâcherons rien. Je ne lâcherai pas. L'état du pays l'impose. Ce soir, nous prenons une fois de plus nos responsabilités, sans hésitation, sans ambiguïté, car l'écologie, c'est la République. J'appelle les électrices et les électeurs écologistes
à faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne Je les appelle à faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne un bulletin Emmanuel Macron le 24 avril. Donc, un appel à voter Emmanuel Macron. Alors, le dessin de Thibault Soulcier pour commencer. Ou recycler Yannick Jadot avec les autres coquilles vitres vides. Aïe. Oh, c'est rude. C'est rude. Fabien, sur le score de Yannick Jadot. On sait qu'à un moment, il est parti dans cette campagne en se disant « je vais réussir à rassembler autour de moi ». Finalement, il avait à la fois un programme sur certains aspects proche de celui de Jean-Luc Mélenchon, notamment sur la question écologique, donc assez radical, assez à gauche, et en même temps une posture dans cette campagne qui était vraiment s'adresser à l'ensemble des Français, vraiment de même gommer parfois des aspects faisant peut-être trop radicaux quoi dans son projet, dans la façon dont il parlait. Ça n'a pas visiblement convaincu. Oui, mais enfin, on peut aussi prendre les choses de manière différente. C'est que c'était un candidat écologiste. On sait que les écologistes ont un problème particulier avec cette élection présidentielle qu'ils jugent. Et à Mediapart, quelque part, on raconte aussi un peu la même chose, quand même une sorte d'exercice césariste dépassé par rapport à la culture politique que eux défendent. Et ça reste quand même le deuxième meilleur score des écologistes à la présidentielle derrière Noël Mamère. Était sur une ligne de dire en fait, comme c'est l'élection. Ça reste l'élection reine, en attendant d'être dans un autre système, quelque part, on s'adapte à ces règles du jeu. Et c'est un de ceux qui a le plus joué cet aspect « je me rends présidentiable et donc je sacrifie à tous les rituels, les codes de l'exercice ». Sauf qu'on voit bien qu'en fait, il fait, vous dites le deuxième score, mais du coup, il fait sous ce que faisait Noël Mamère il y a 20 ans. Pour une force qui donc a 20 ans de plus avec des thématiques qui ont quand même plus imprimé dans l'opinion sur les thèmes le climat, biodiversité et ainsi de suite. Mais qui depuis a conquis des villes en plus. Florent pourra aussi en parler parce qu'il a beaucoup travaillé sur cet aspect de conquête aux élections intermédiaires qui a nourri un discours chez les écologistes de dire maintenant c'est notre tour, la social-démocratie vous avez vu c'est terminé, dégagé, maintenant c'est à nous. Mélenchon c'est un populiste, il n'a pas compris le sens de l'histoire. Et donc aujourd'hui, on voit que ce récit se fracasse. Alors après, les raisons, on peut incriminer la campagne, on peut incriminer sans doute une organisation qui était, contrairement à celle de Mélenchon, mal préparée, mal adaptée à l'élection présidentielle, mais visiblement, il y a un aspect plus profond de crédibilité de la force politique elle-même. Je pense que ça va bien au-delà de Yannick Jadot pour l'élection présidentielle. Peut-être juste pour ajouter à ce que dit Fabien, je pense qu'on peut, c'est une lecture à mon avis qui est tenable, on peut prendre les 20% de Jean-Luc Mélenchon d'aujourd'hui comme aussi en partie un vote écologique qu'il faudrait additionner aux 4,5% de Jadot. Je dis ça pourquoi ? Parce que vous l'avez dit vous-même, quand on compare les volets écologiques des programmes, effectivement, les choses sont quand même assez proches. Mais c'est aussi l'ensemble des ONG, des associations environnementales qui ont fait le comparatif, qui, pareil, grosso modo, mettent ces deux candidats-là loin devant tous les autres. Et dernier point, peut-être, on a des collègues du collectif Quantité Critique qui mènent des enquêtes depuis pas mal d'années là, dans les marches sur le climat. Et sur la sociologie et notamment tout simplement les affinités électives en fait des jeunes, de la jeunesse qui marchent pour le climat. Et il y a 2-3 ans de ça, c'était le vote Jadot ou le vote Europe Écologie Les Verts qui était devant, me semble-t-il, et ça s'est assez récemment mais inversé. Dans la dernière marche là, qu'ils ont fait passer un questionnaire visiblement là il y a 2 jours. D'ailleurs, on a vu beaucoup d'activistes du climat, parfois connus, appelés à voter Jean-Luc Mélenchon, de certaines figures, et pas Yannick Jadot. Voilà, pour dire que je pense si on veut essayer de mesurer quel est le vote écologique à cette élection présidentielle, il ne faut pas juste prendre Yannick Jadot en compte. Ouais, et il y a un élément évidemment de vote utile ou de vote barrage qui a été pris en compte dès le premier tour. Ça, je pense que ça, effectivement, ça a joué à plein, mais ça avait déjà joué à plein la dernière fois. Mais juste, je rajouterai un point parce que il y a 5 ans, on avait vu comme ça dans le dernier mois Jean-Luc Mélenchon gagner 4 points sur une logique de vote utile déjà, puisque c'était la course de vitesse. Et en fait, moi, j'avais regardé sur la grosse enquête qui se basait sur le sondage sorti des urnes.
de l'IFOP. Parmi les quatre premiers candidats, on avait questionné l'électorat sur est-ce que vous avez voté pour lui. Alors c'était Macron, Fillon, etc., Le Pen et Mélenchon. Est-ce que vous avez voté pour lui? Et c'était telle quelle la question de l'IFOP, pour des raisons de conviction ou pour des raisons de calcul de vote utile. Et en fait, étonnamment, Jean-Luc Mélenchon, parmi les quatre, était celui qui était le plus un vote de conviction. Donc attention à ça, il faudra voir aussi si on a le même type d'enquête qui est fournie cette année-là, mais voilà, c'est, bon, au-delà du fait que c'est des catégories vote utile qui sont... Avant peut-être de passer la parole à Florence sur la construction de l'écologie politique, et en fait, quand on parle de vote utile, il faut faire attention, parce que cette idée de vote utile ou de vote qui entraîne la force, quelque part, ça vient forcément à un moment où la personne a fait la preuve qu'elle pouvait être justement devant. Il faut se souvenir qu'il y a 5 ans, il y a une période où, dans ces fameux sondages que tout le monde regarde, Benoît Hamon était devant Mélenchon. Donc ça veut dire que les dynamiques de campagne, elles jouent aussi. Et la capacité à faire une bonne campagne et à imprimer dans l'opinion qu'on peut être un meilleur candidat, ça joue aussi. Et là, ça a joué également pour un Mélenchon qui était donné des fois à deux fois moins au début de campagne. Jadot, ouais. Manuel Cervera-Merzal, à votre avis, qu'est-ce qu'a réussi Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne et qu'est-ce qu'il n'a pas réussi? Vous dites qu'il fait le même score, finalement, que la dernière fois. Donc il y a une grande stabilité, finalement, de Jean-Luc Mélenchon à cette présidentielle, sur des niveaux hauts, en même temps loin, vous le dites, des deux premiers, contrairement à la dernière fois. Donc qu'est-ce qui explique éventuellement ce delta? Est-ce que là, à votre avis, on est au niveau haut de ce que peut, finalement, la gauche aujourd'hui? D'ailleurs, on peut voir, hein, les Hidalgo, Jadot sont assez bas, donc peut-être qu'il y a eu ces derniers temps des gens qui se sont déplacés de ces votes-là pour voter Mélenchon, ça on pourra le mesurer. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Dans l'histoire de la Ve République, si on fait le total des votes des pourcentages de gauche au premier tour de la présidentielle, jamais la gauche n'avait été aussi faible qu'il y a 5 ans, elle avait fait à peu près 27% au total. Tout à fait. Là on verra bien, mais visiblement on est à 27, 28, 29, il faudra voir à la fin. Donc en fait, jamais la gauche n'a été aussi faible. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, pour des raisons, on pourrait longuement ici discuter sur pourquoi la gauche est si faible aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que la gauche, lors des élections présidentielles, peut pas faire plus? Moi, je le crois pas. Je crois qu'il y a des indicateurs qui nous disent qu'aujourd'hui, bon, par exemple, quand on teste des idées comme ça, on fait des grandes enquêtes d'opinion et on teste, est-ce que vous pensez qu'il faut une meilleure répartition des richesses? Est-ce que vous pensez que le capitalisme fait du tort à la nature? Est-ce que vous pensez que le pouvoir politique est trop concentré au niveau de l'exécutif? Enfin, vous testez des idées de gauche sans les labelliser gauche. En fait, vous voyez qu'il y a sur tout un tas de propositions de sens commun, il y a une majorité, et parfois une vaste majorité des Français qui se prononcent pour ces idées. Nona Mayer le disait d'ailleurs tout à l'heure, il y a une différence entre le résultat électoral et ce qu'on voit dans les enquêtes d'opinion, notamment sur d'autres sujets, pas juste les sujets sociaux, les sujets aussi qui concernent le racisme, etc. Ouais, tout à fait, sur les questions de tolérance, là-dessus, il faut aller voir les enquêtes de notre collègue Vincent Tiberge qui sont très intéressantes là-dessus. Là, fondamentalement, la société française, on ne peut pas dire qu'elle soit à droite. Et d'ailleurs, quand on regarde aussi un peu du côté de la rue, parce que la politique, c'est pas juste l'isoloir et c'est pas juste la présidentielle. Du côté de la rue, même s'il y a des agressions de la part de fascistes qui s'en prennent à des homosexuels, des arabes, etc., c'est aujourd'hui quand même la rue, elle reste plutôt elle appartient aux gilets jaunes, elle appartient aux marcheurs pour le climat, elle appartient aux syndicats qui organisent des manifestations monstres contre la réforme des retraites. Donc il y a une vitalité, une effervescence quand même, une conflictualité sociale de gauche qui se traite. Alors là, pour le coup, on ne peut pas y répondre. De vos réflexions quotidiennes. Est-ce qu'elle n'a pas travaillé, gauche, pendant 5 ans? Est-ce qu'elle a suffisamment travaillé? La gauche partisane aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle pourrait faire, je pense, en fonction de tout simplement l'état de la société française. Est-ce que les torts sont du côté des partis politiques? Oui, en partie, parce que il y en a un certain nombre qui se sont tournés vers des politiques de plus en plus néolibérales. Ils se sont largement embourgeoisés. Ils ont vieilli aussi dans leur composition militante, ce qui fait qu'on a des partis et des élus qui aujourd'hui ne sont plus du tout à l'image de la société. Mais si vous voulez, les torts ne sont pas uniquement du côté des partis. Je parle de torts, ce n'est pas le bon terme, mais les torts sont aussi en partie du côté de la société civile, qui s'est, de la société civile de gauche, on s'entend, qui effectivement a pris ses distances petit à petit avec les urnes, avec les partis, en considérant que ces choses-là, c'était pas adéquate et que ce qu'il fallait, c'était de l'action associative, de l'action directe. Et donc il y a, en tout cas, ce que j'observe, c'est quand même un fossé
qui existe entre les deux et dont le résultat de ce soir me semble être l'une des manifestations. Et je crois que le dessin de Thibault, c'est autour de l'écologie, justement, et du deuxième tour. Oui, le rapport du GIEC disait plus que 3 ans avant l'irrémédiable. Donc Macron-Le Pen, bah, avec qui passer ces 2 ans, 11 mois et 24 jours qu'il nous reste? Laurent Gougou, peut-être sur ce dessin d'ailleurs, mais plus largement sur ce dont on parlait, à la fois ce niveau haut-là de la gauche en ce moment, qui semble être le niveau, un niveau bas en tout cas, mais qui semble son niveau maximum. Et ce qu'on disait sur les écologistes? Oui, d'abord, ce qu'on disait, c'est que dans les préoccupations des Français, telles que mesurent les enquêtes d'opinion actuellement, l'environnement venait en troisième position avec 26%. Donc, en fait, il y a des préoccupations qui sont très puissantes et puis le pouvoir d'achat, qui explose à peu près tout. Vous avez des préoccupations qui sont attachées au parti de gauche qui était là dans le débat public, il n'y a pas de doute là-dessus. Tout à l'heure aussi, on a commencé l'émission en disant qu'en fait, on avait l'impression que la gauche était absente. En fait, la gauche a été formidablement présente lors de cette élection. Il y avait un candidat pour le PS, un candidat pour LV, un candidat pour le Parti communiste, un candidat pour la France insoumise et 2 candidats trotskistes. En fait, elle a été pendant la campagne officielle numériquement très présente. Et même donc, en temps de parole qui était accordé au candidat, de fait, elle a même occupé plus de temps d'antenne que les autres au cours des 2 dernières semaines. Ça me permet déjà de rajouter un point supplémentaire sur ce qu'a réussi Jean-Luc Mélenchon. Au fond, Jean-Luc Mélenchon, il a réussi la même chose que ce qu'il avait réussi il y a 5 ans, à savoir montrer quand il y a la campagne et que tout le monde, on peut comparer les gens parce qu'on a le même temps d'antenne pour tout le monde, parce qu'on a des débats et qu'on peut les voir. En fait, il a montré qu'il était le meilleur candidat de gauche lors de l'élection présidentielle. En fait, il est celui qui paraît le plus capable, le plus crédible aux yeux des électeurs, le meilleur orateur. Enfin, celui qui, même s'il honnit ses institutions, en tout cas, il semble les honnir, et il dit que si jamais il est arrivé au pouvoir directement, on supprimait la 5e République, en fait, il est formidablement bien adapté à cette élection, Jean-Luc Mélenchon. Alors que d'autres, en fait, montrent qu'ils n'en veulent pas, mais en plus, ils ne sont pas du tout adaptés pour cette élection-là. Tout à l'heure, Fabien disait, oui, Yannick Jadot, il a joué le jeu. Et effectivement, on le voyait encore tout à l'heure dans son superbe costume. Vous voyez, en fait, il avait un superbe costume de président de la République, mais il paraissait un peu étriqué, en fait, comme si ça lui allait pas si bien que ça, en fait. Et c'est ça la représentation qu'ont les électeurs quand ils comparent un peu tous ces candidats de gauche. Résultat, ça me permet aussi de dire ce que n'a pas réussi Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Si je disais qu'il y avait 4 candidats, c'est qu'à la fin, il n'y avait que 2 des candidats. Il n'y avait que Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon sur l'espace qui va de la FI jusqu'au PS, en passant par EELV et le PSF. Mais en fait, ça tient aussi à Jean-Luc Mélenchon le fait que Fabien Roussel était candidat. Mmh. Ça faisait en 2012 et en 2017, les communistes étaient avec Jean-Luc Mélenchon. Et il doit aussi s'interroger de savoir pourquoi est-ce que les communistes étaient ici. Il y a un schisme dès 2017, très rapidement, avec les communistes. Et ça tient. Enfin, ce ne sont pas les électeurs écologistes, ce ne sont pas les électeurs socialistes, ce n'est pas le reste de la. Enfin, c'est pas les Français en général qui ont conduit à ce qu'il y ait cette séparation entre la FI et le PSF, et ça tient largement en partie à Jean-Luc Mélenchon. Manuel Cervera-Merzal, là-dessus, vous avez écrit ce livre sur la France insoumise, ce mouvement gazeux, comme Jean-Luc Mélenchon tient à le dire. Est-ce que d'ailleurs, justement, cette forme de mouvement gazeux très autour de sa personne, là encore, justement, même si il tient à dire qu'il n'est pas évidemment le seul et à montrer un collectif autour de lui, est-ce que cette organisation-là et les questions afférentes à cette organisation, ça peut expliquer justement un certain nombre d'insuffisances, peut-être, ou ces aspects justement de difficultés à nouer des alliances, à garder des alliances sur le long terme. Comment vous analysez ça? Alors moi, je pense que cette forme gazeuse, c'est le terme qu'il emploie. Moi, j'ai parlé d'anarcho-césarisme, mais bon, c'est plus compliqué, c'est plus loin à expliquer. Mais cette forme d'organisation, elle a ses forces et elle a ses faiblesses. Sa faiblesse, c'est notamment clairement un manque de démocratie interne, l'absence de pluralisme. Le fait aussi que très vite, ça conduit à se couper aussi de ses potentiels alliés. En revanche, me semble-t-il, la force du type de... Parce que c'est vraiment... la France insoumise devenue Union populaire, c'est un type de fonctionnement qui est très spécifique et qui, je crois, présente un atout, c'est que c'est très efficace pour affronter une élection présidentielle. Là, vraiment, ça permet de concentrer les ressources militantes, les ressources financières, les ressources communicationnelles, les réseaux sociaux, derrière un homme. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, il y a 5 ans, avait été jugé comme étant celui qui a fait la meilleure campagne, de loin devant ses concurrents, et y compris
par les électeurs de centre et de droite. Donc je crois vraiment que c'est quelqu'un qui a conçu une forme mouvement qui se révèle très adaptée pour ça. Et la preuve, du coup, c'est qu'effectivement, vous faites bien de le rappeler, il fait 20%, donc peut-être même un peu plus, un demi-point de plus que il y a 5 ans, alors même que cette fois-ci, il s'est séparé de ses anciens alliés communistes. Ça, c'est quelque chose qui est notable. Après, je voudrais dire un mot quand même sur la suite aussi, parce que je ne sais pas si on en parlera. Il a lui-même dit, mais alors combien d'hommes politiques ont annoncé qu'ils se retireraient sans jamais le faire, ou en le faisant 2-3 ans et en an. Lui-même a dit que ce serait sa dernière campagne présidentielle, il l'a dit très explicitement. Qu'il faut y croire. Moi, j'en suis pas convaincu. Je pense que le score d'aujourd'hui montre pour le meilleur et pour le pire, mais en tout cas, il représente quelque chose, et il est loin en tête, encore plus loin qu'il y a 5 ans, en tête de la gauche aujourd'hui en France. C'est lui qui est à la tête de... Alors, on a pu avoir un doute là-dessus pendant le quinquennat qu'on a traversé, parce qu'aux européennes de 2019, Europe Écologie Les Verts, 13%, suite aux municipales, ils prennent des grandes villes, une belle campagne de Fabien Roussel, on a pu douter de ça, mais je crois que aujourd'hui, avec ces 20%, il se repose à nouveau figure de proue de la gauche. Est-ce qu'il va se retirer? Il a 71 ans, ça veut dire que, là, je fais un peu des paris sur l'avenir, mais Joe Biden a été élu l'an dernier, il avait 78 ans. Le général de Gaulle, puisque tout le monde se réfère à de Gaulle, à 76 ans, c'est l'âge qu'aura Jean-Luc Mélenchon en 2027, il était à la tête de l'État. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus compliqué que ça, quoi. En tout cas, ceux qui nous disent Mélenchon va disparaître comme ça parce que c'est sa troisième candidature, et non, je crois que, voilà, il est... D'abord, il est là, il est en plein milieu ce soir de la scène, même si c'est une défaite, mais il est quand même au milieu de la scène à gauche. Et par ailleurs, en fait, ce qu'il a construit autour de lui repose de manière tellement prononcée sur sa propre personne que retirer Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, c'est faire s'effondrer tout un édifice qui est une sorte de pyramide inversée, la France insoumise, qui tient, je ne vais pas dire ne tient que par lui, parce que ce n'est pas vrai, la France insoumise tient aussi... Son unité, elle tient à 4 millions d'euros d'argent public qui arrive chaque année, à un groupe parlementaire, à un programme qui a été travaillé. Mais quand même, Jean-Luc Mélenchon, il parle de mouvement gazeux, il disait aussi « je suis la clé de voûte ». Il est la clé de voûte de cette affaire. Et quand on retire une clé de voûte, je suis pas architecte, mais ça s'effondre. Non, mais ça va être un nouveau test, au-delà de son destin personnel. C'est-à-dire que on voit bien que, vous savez, le PS a un moment parlé de force motrice, puis ils estimaient qu'ils étaient encore la force motrice pour gagner. Bon, eux, récemment. Voilà, ils sont auto-intoxiqués par leurs bons résultats aux élections locales qui n'avaient rien à voir avec le niveau national. Mais du coup, la vraie force motrice à gauche au niveau national, on voit bien que c'est la France Insoumise. On voit bien la difficulté, c'est que c'est une formation et un homme qui ne sont pas justement forcément adaptés à faire fructifier sur la continuité, sur un quinquennat. Le capital politique a été accumulé là. Effectivement, il l'avait déjà accumulé, ce capital politique-là, en grande partie en 2017. Là, et c'est comme, je le disais tout à l'heure, c'est comme s'il avait dû tout, pas tout recommencer, mais recommencer en grande partie à le reconquérir pour aboutir à ce nouveau score. Bon, ben voilà, là, il y a 5 ans qui s'annoncent devant eux, et où la France Insoumise devra faire la preuve qu'avec ou sans lui, elle est capable d'en faire quelque chose de ces 20%. Parce que ce qui est sûr, c'est que les autres, à côté, ne sont pas capables, seuls, de réussir quoi que ce soit de décisif, en tout cas. Mmh. Pour en rester à ce premier tour, à l'actualité du soir, Philippe Poutou déclare « Notre consigne de vote est claire, pas une fois, une voix ne doit aller à l'extrême droite », donc Philippe Poutou du NPA. « Pour autant, nous ne donnerons pas de consigne de vote en faveur de Macron, car c'est un pompier pyromane dont les politiques sont une des causes de la montée du Rassemblement national ». Pas surprenant comme déclaration. C'était la même chose il y a 5 ans. Voilà. Et il dit la même chose que Mélenchon. Du coup. Voilà. Il dit la même chose que Mélenchon. Nathalie Arthaud, elle, lutte ouvrière, moins de 1%, hein, comme Philippe Tour renvoie. Dos à dos, Macron et Le Pen, sans donner de consigne de vote. Je crois qu'en 2002, lutte ouvrière n'avait pas non plus donné de consigne de vote. Beaucoup d'éléments quand même qui reviennent, en effet, par rapport à 2017. Est-ce que vous vouliez ajouter un mot, Florent, sur ce qu'on disait sur Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est aussi une réponse à ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, enfin, au-delà de Jean-Luc Mélenchon, en fait, sur l'état des différents partis de gauche, mon hypothèse actuellement serait plutôt le fait que, selon les types d'élections, ce ne sont pas les mêmes types de partis de gauche qui sont favorisés. L'élection présidentielle, avec tant que Jean-Luc Mélenchon est à la tête de la France insoumise, paraît être l'élection qui est la plus favorable. Enfin, en tout cas, que ce soit la France insoumise qui est la
plus avantagée par ce type d'élection. À l'inverse, les élections européennes sont les élections dans lesquelles les écologistes sont les plus à l'aise. C'est historiquement leur scrutin qui est le plus favorable et ils combinent deux aspects qui sont vraiment en leur faveur. La première chose, en fait, on n'élit pas des gens pour gouverner. De sorte que tout le rapport complexe qu'ont les écologistes au fait de devoir simplement gouverner, il est complètement effacé. Enfin, quand vous votez pour les Européennes, vous ne dites pas que vous allez voter pour le président de l'Europe à ce moment-là. Et deuxième chose, c'est que les écologistes sont ceux qui sont les plus favorables à la question de l'intégration européenne, à un fédéralisme, et donc aucun problème à se mouvoir au milieu de ces enjeux européens, alors que de ce point de vue-là, par exemple, la France insoumise est plus gênée par ce type d'élection. Et puis après, vous avez des élections dans lesquelles vous avez de la gestion quotidienne, et donc des élections régionales, des élections départementales, élections municipales, dans lesquelles là, en revanche, le Parti Socialiste a plein de sortants. Et donc lui, il a encore l'appareil qui actuellement a le plus de personnes qui sont en responsabilité, ce qui lui donne un avantage comparatif par rapport aux autres. De ce point de vue-là, la percée des écologistes en 2020 et le fait qu'ils aient conquis des nouvelles communes leur permet au minimum dans les très grandes villes de devenir des compétiteurs crédibles par rapport au PS. Et aujourd'hui même les écologistes ont plus de très grandes villes de France que le PS. Mais ces grandes villes, à chaque fois, elles ont été conquises sur la droite. Et donc en fait, c'est pas dans n'importe quels endroits certes, mais c'est pas surtout le fond de, c'est surtout que c'est pas à n'importe quel endroit que ELV a réussi à prendre des communes. Et ils ont pas réussi à les prendre sur des sortants de gauche. Par exemple, ils ont échoué de peu, mais ils ont échoué à Lille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont été devancés à Nantes, ils ont été devancés à Rennes. En revanche, ils ont réussi à récupérer des villes qui sont des grands centres urbains dans lesquels se développe, cette population de cadres supérieurs, de personnes à très haut niveau d'instruction qui votent. Qui votent pour ce camp-là, mais dans lequel, quand c'est une ville de droite avec des sortants de droite, et ben là, les écologistes ont pu gagner. Non, ils n'ont jamais réussi à s'imposer au sein de la gauche. Résultat, ça fait que le PS a continué à conserver son bataillon d'élus locaux. Et la FI, en revanche, a quasiment rien de ce côté-là. De sorte, c'est comme s'il y avait une forme de séparation des tâches entre les différents partis de gauche, mais le fait est qu'à la fin, l'élection présidentielle, celle où il faut être le moins. Il faut qu'il y ait le moins de candidats possible pour pouvoir se qualifier au second tour. Ben là, chacun avait son diagnostic en se disant, en fait, je suis le meilleur parce que l'un s'appuyait sur les élections locales, l'autre s'appuyait sur les élections européennes, le dernier s'appuyait sur l'élection présidentielle. Reste là, tout le monde pense qu'il a sa chance. Emmanuel Macron est en train de parler, donc on va l'entendre à l'heure. Je ne voudrais pas parler au même moment. juste, ça veut dire qu'en fait, si on vous écoute tous depuis le début de cette soirée, on a quand même là maintenant un paysage politique, maintenant ça s'installe, c'est-à-dire où on a les partis qui sont en compétition pour l'élection présidentielle, sont des partis qui, localement, en tout cas, sont aujourd'hui moins forts, et les partis qui, avant, occupaient le paysage politique de façon centrale, sont aujourd'hui forts localement, gardent leurs ancrages locaux, LR, le PS, et font le score qu'on voit au premier tour de la présidentielle, Émilien Wardia. Oui, on n'est pas pour la gauche, mais en fait, c'est aussi vrai à droite. C'est-à-dire que finalement, si on prend, on va dire, la droite au sens très très large, l'air de Marine Le Pen, Éric Zemmour, à Emmanuel Macron, passant par Valérie Pécresse, finalement, on a trois forces qui font au-dessus de 5% à la présidentielle, qui sont trois partis plutôt, alors, soit nouveaux, soit extrêmement personnalisés, donc un fonctionnement qui est très dédié à présidentielle. Et finalement, l'un qui est un parti plus traditionnel, plus structuré, qui est presque un parti d'élus, quelque part, et qui, lui, par contre, a réussi à faire des scores qui étaient honorables aux élections locales, notamment parce que les sortants ont été souvent reconduits. Et donc, c'est qu'on a une forme de différenciation entre vie politique moderne nationale et européenne et vie politique locale qui va être intéressant à voir si ça va survivre, mais c'est vrai qu'on a cette corrélation entre structure des partis en interne et type d'élection. Ouais, cette désynchronisation on l'observe dans les résultats électoraux, mais surtout elle a une explication potentielle, c'est que les lignes de conflit qui dominent au niveau national, ce qu'on a dit tout à l'heure dans la première partie de l'émission, à savoir, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, dans les termes de certains candidats, les mondialistes contre les nationaux, en fait, pour les élections européennes, ça marche, en fait, ça fait sens, mais pour les élections locales, en fait, c'est quoi ? Elle parlait pendant les élections municipales de la ligne de conflit entre les mondialistes et les nationaux. En fait, ça ne fait absolument pas sens. Et donc, c'est comme ça qu'on pourrait expliquer que dans ce nouveau monde politique ouvert depuis 2017, on aurait une forme de désynchronisation de l'arène politique locale et de l'arène politique nationale parce que ce ne sont pas les mêmes types d'enjeux qui sont dominants à chacun de ces niveaux de pouvoir. De la même façon que plein de gens, dans leur pratique ou dans leur engagement, déconnectent leur engagement local de la présidentielle. En fait.
Bah oui, oui, effectivement. Enfin, ça, le vote effectivement d'un citoyen type aux élections européennes, aux élections municipales et puis aux présidentielles, on peut voir des choses tout à fait. Enfin, là, on peut se faire plaisir en termes d'imagination. On trouvera effectivement dans la réalité ce qui peut en apparence nous paraître comme une contradiction. Mais de ce point de vue-là, c'est en rupture avec la période avant 2007, qui était une période dans laquelle il y avait eu progressivement une forme de nationalisation des élections locales. C'est un phénomène que les chercheurs avaient analysé des années 70, dans lesquelles à la suite de la refondation du PS, il y avait une clarification des logiques d'alliance au niveau local, calée par rapport au niveau national. Donc le PS avait arrêté de faire des alliances avec le centre, par exemple, avait promu l'union de la gauche à tous les types d'élections. Et de sorte qu'il y avait eu de plus en plus une offre politique qui convergeait entre le niveau national et le niveau local. Et c'est cette synchronisation qui aurait disparu depuis 2017. Rapidement, Manuel. Oui, il y a le désalignement du local sur le national, mais c'est aussi il y a le désalignement des électeurs vis-à-vis des partis, c'est-à-dire l'indice d'attachement partisan, c'est-à-dire en fait, est-ce que vous vous sentez proche d'un parti politique et du coup, est-ce que vous allez voter pour lui? Ça, c'est quelque chose qu'on mesure aussi sur le temps long et qui a considérablement décru depuis trois décennies. Qui fait aussi que le jeu politique électoral est plus fluide aussi d'une élection à l'autre. On écoute Emmanuel Macron. Et je remercie tous nos compatriotes qui, dès le premier tour, ont porté leur suffrage sur ma candidature. Merci. Leur confiance, votre confiance, m'honore, m'oblige et m'engage. Vous pouvez, toutes et tous, compter sur moi pour mettre en œuvre ce projet de progrès, d'ouverture et d'indépendance française et européenne que nous avons défendu tout au long de cette campagne. Voilà, donc un morceau de la déclaration d'Emmanuel Macron qui, je crois, n'a pas tout à fait terminé de parler. Ça va être quoi l'enjeu pour lui, cette campagne de second tour? Il a 15 jours pour confirmer qu'il est le candidat qui peut être élu. Est-ce qu'il y a un vrai risque que Marine Le Pen l'emporte? Comment il doit se positionner pour être élu? Peut-être demander à Julien Warvial, vous devenez spécialiste du macronisme ce soir. De fait, puisque vous êtes spécialiste de la droite. Oui, parce que d'abord, y compris en termes idéologiques, voilà, une forme de clarification qui va se faire. Mais c'est vrai qu'il y a quelques semaines, je vous aurais dit, il va tenter de finir de siphonner à droite. Mais là, dès le premier tour, ça a été fini. Notamment pour la droite, ça va être un enjeu de savoir s'il va y avoir une forme de cohésion malgré tout qui avait existé en 2017 autour d'un soutien à Emmanuel Macron pour faire barrage au RN et après tenir jusqu'aux législatives. Là, on n'est pas encore sûr. Savoir s'il y a une possibilité, pas différée de Namaïa par exemple. Oui, il y en a une parce que se poser la question notamment de l'abstention. Est-ce que. Victoire Marine Le Pen, c'est ça. Voilà, possibilité de victoire de Marine Le Pen. A priori, ça ne se jouera pas du côté de la droite parce qu'à droite, voilà, on sait qu'il y aura à peu près, on va dire, 45-50% des électeurs qui resteront de Valérie Pécresse qui iront chez Macron, puis le reste repartira entre l'abstention et Marine Le Pen. Mais c'est vrai que chez les gens, voilà, par exemple de gauche qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, qui ont un fort ressentiment à l'égard d'Emmanuel Macron, est-ce qu'ils vont avoir quand même, est-ce qu'ils vont prendre sur eux, entre guillemets, de choisir ce qui pourrait être comme le moins pire des deux, ou est-ce qu'ils vont décider que s'en étreront, on leur a trop demandé, là, il n'y a aucune certitude, mais le plus probable reste quand même qu'Emmanuel Macron sera élu sans trop de doute. De fait, ça va être l'enjeu quand même là des 15 prochains jours. On va avoir des débats assez houleux au sein des gens qui se reconnaissent dans la gauche. Ce sujet-là, vous le disiez tout à l'heure, pas mal de gens qui peuvent aller à la pêche aussi. Oui, moi je me rappelle que ça avait été fratricide, effectivement, les débats il y a 5 ans déjà sur est-ce qu'il faut voter ou pas pour Emmanuel Macron. Enfin voilà, l'histoire du pompier pyromane dont parlait Philippe Poutou, quoi. Je pense qu'on va avoir les mêmes débats, sauf que là, me semble-t-il, si on se fie aux sondages qui ne sont pas non plus d'ailleurs ce soir, je crois qu'ils. Vous avez plutôt bien annoncé la couleur, mais pour le second tour, ce que je disais ces derniers jours, c'est effectivement qu'on est plus proche que jamais. Donc là, ça va rendre le débat peut-être encore plus tendu que jamais. Ce que je note, je ne sais pas comment Emmanuel Macron va se comporter dans les 15 prochains jours, mais en tout cas, je crois
si je comprends bien ce qui est en train de se passer, qui va être obligé de faire campagne. Il a en grande partie esquivé, évité la campagne du premier tour. Là, il est obligé de descendre et d'y aller pour le second tour, parce que pour lui-même, quoi, il y a péril en la demeure. Et effectivement, je pense, en vous parlant, j'essaye de faire des calculs et des recompositions dans ma tête, mais je pense effectivement qu'il va avoir besoin d'envoyer quelques petits signaux à la gauche. On a d'ailleurs, on se souvient qu'à son meeting à l'Arena, il avait comme ça repris le slogan de Philippe Poutou et du NPA sur nos vies valent plus que leurs profits. Pour faire barrage, puisque c'est encore à nouveau de ça qu'il s'agit, il va falloir qu'il ramène à lui ces fragments de la gauche libérale qui, peut-être, c'était quand même un peu aussi décroché du vote Macron au fil des 5 dernières années. Est-ce qu'il va sortir une ou deux mesures phares? Est-ce qu'il va juste teinter son discours? Je ne sais pas comment il va faire ça. Qui va s'y laisser prendre? Est-ce qu'au sein des grandes figures, parce qu'il y en a quand même déjà beaucoup du Parti Socialiste et d'Europe Écologie ces 5 dernières années qui ont rejoint la Macronie, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont continuer à le faire? Honnêtement, je ne sais pas bien. Est-ce qu'il pourra dire quelque chose aux 20% d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui pourraient les convaincre? Je doute que ce soit ces électeurs-là qui s'adressent. Je pense que c'est plutôt, mais ça ne représente pas grand-chose, en fait, finalement, les 4,5% de Yannick Jadot, les 2% d'Hidalgo. Bon, en même temps, comme ça s'annonce serré 49-51, peut-être que ces 4% Jadot, ces 2% Hidalgo, peut-être qu'il en a besoin aussi et qu'il va falloir qu'il leur envoie quelques signaux. Est-ce que cet électorat-là va se laisser, entre guillemets, séduire une deuxième fois, parce qu'on lui a déjà fait le coup il y a 5 ans? Voilà, c'est ça les questions qui se posent. Et juste avant de passer la parole à Fabien, on a appelé à voter Emmanuel Macron ce soir, Fabien Roussel, donc du Parti communiste. Oui, tous. Cité depuis tout à l'heure, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Yannick Jadot, voilà, je n'ai pas tout le monde, mais voilà. Fabien. Non, mais effectivement, il s'est passé 5 ans avec un mandat qui a énervé beaucoup de gens à gauche, donc on peut imaginer qu'effectivement, il y a une réticence plus forte qu'il y a 5 ans d'aller faire barrage, comme on dit. Maintenant, il faut faire attention parce que, on disait tout à l'heure, le total gauche, il va être à quoi? Peut-être, ça va un tout petit peu progresser par rapport à il y a 5 ans, il va être à 30%. Ça veut dire que, quand même, en ayant eu 5 ans d'opposition, la gauche sera restée à peu près à cet étiage ou quelques points au-delà. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas eu des pertes immenses de gens de gauche qui auraient voté Emmanuel Macron et qui tout d'un coup diraient « Oh mon Dieu, je retourne à mon camp d'origine, vraiment il a trop trahi ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger, je crois, de voir le socle aussi qu'il a conservé d'anciens électeurs venus du centre-gauche. Et pendant les 15 jours qui vont se passer, je pense qu'il va pouvoir marteler à foison sur tous les éléments que il vous devrait écouter Nona Maier à cette émission. Elle lui a donné plein d'arguments pour expliquer pourquoi c'était un projet horrible pour la France et pourquoi lui incarnait quelque chose de plus raisonnable, de beaucoup plus stable pour les gens, surtout par les temps qui courent. Et en plus de ça, il pourra montrer également, preuve à l'appui dans son quinquennat, qu'il n'a pas été un dogmatique. J'évoquais tout à l'heure le quoi qu'il en coûte avec Anne-Cécile Douy. Il pourra dire, regardez, quand il a fallu recourir à de la dépense publique, j'ai pas été un idéologue comme les gens des Républicains, j'ai su faire ce qu'il fallait. Donc je pense qu'il a un stock d'arguments quand même assez conséquent. Alors justement, en parlant de ces arguments, est-ce qu'on a un autre extrait d'Emmanuel Macron justement qu'on pourrait écouter? Voilà. On l'écoute. On l'écoute. Car ne nous trompons pas, rien n'est joué. Et le débat que nous aurons dans les 15 jours à venir est décisif pour notre pays et pour l'Europe. Voulons-nous d'une France indépendante parce que forte sur le plan scientifique, technologique, économique et militaire, agricole et culturel? Voulons-nous d'une France qui, par le plein emploi et par le sérieux, est capable de financer son État-providence, nos retraites, notre école, notre hôpital et nos services publics? Oui. Voulons-nous d'une France qui relève le défi climatique et écologique par le nucléaire, les énergies renouvelables, la sobriété énergétique et la planification écologique? Oui. D'une France où, par l'écologie, les factures de chauffage se réduiront et la voiture électrique pour tous viendra remplacer les couteaux pleins d'essence. Oui.
Voulons-nous d'une France plus juste pour nos Outre-mer, pour tout le territoire, pour notre hexagone? Voulons-nous d'une France qui, face aux crises en cours et à venir, continue à faire confiance à la science, à la raison, à la compétence, comme nous l'avons fait ces derniers mois et ces dernières années? Je veux une France qui lutte résolument contre le séparatisme islamiste, mais qui, par la laïcité, permette à chacun de croire ou de ne pas croire, d'exercer son culte. Et pas une France qui empêche les musulmans ou les juifs de manger comme le prescrit leur religion, ce n'est pas nous. Donc, Florent Voilà. Gougou, Emmanuel Macron, qui appelle au grand rassemblement, lancer un grand mouvement d'unité politique dans le pays et qui emprunte très clairement, là, par rapport à notre discussion, les mots de Jean-Luc Mélenchon, planification écologique, et parle aussi énormément d'écologie, de sobriété, de climat. Voilà le paysage posé pour le deuxième tour. Ouais, d'abord, je voudrais revenir sur quelque chose qu'on a dit au tout début de l'émission, à savoir qu'il y a plusieurs fois l'idée selon laquelle Emmanuel Macron n'aurait pas réussi sa campagne. Pour moi, une campagne électorale, ça d'abord à faire connaître les candidats et leurs propositions. En fait, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres propositions que celles d'Emmanuel Macron qui ont autant imprimé que celles de la retraite et du RSA? En fait, il a dit des choses qui ne sont pas négligeables à l'intérieur et qui ont beaucoup imprimé. De mon point de vue, le fait qu'il ait loupé, qu'il aurait raté sa campagne électorale, il est discutable. Et là, ce qu'on voit ce soir, pour moi, le message le plus important, c'est celui qui est passé en dessous et qu'on n'a pas pu entendre, à savoir qu'il a appelé à la question d'un grand mouvement politique d'union et d'action, je crois, d'unité et d'action, qui serait en fait fondamentalement, c'est un peu là. Jusque-là, avant 2017, on avait deux grands partis de gouvernement. En fait, ce qu'ils nous disent, de faire un grand parti de gouvernement aujourd'hui et d'appeler tous ceux qui étaient, tous ceux qui ont envie de gouverner en France à venir avec moi pour qu'on fasse ce grand parti qui est très à l'aise pour gouverner dans cette mondialisation libérale et que tous ceux qui sont pas à l'aise avec le système tel qu'il existe, vous inquiétez pas, il y a d'autres partis pour vous. Mais en revanche, nous, on va tous s'unir là derrière et probablement, et tout à l'heure, Emilien disait des choses là-dessus, c'est qu'on va avoir dans les jours qui arrivent et dans les investitures pour les élections législatives des choses importantes qui vont se jouer dans la capacité d'Emmanuel Macron à continuer à rallier autour de lui et de son mouvement politique des personnes qui viennent encore d'autres, qui sont encore avec d'autres étiquettes actuelles. Son objectif, et depuis 2007, tout le raconte, c'était de devenir le seul et dernier parti de gouvernement en France. Et quand on va aller à ça du premier temps de la présidentielle, on se dit que pour l'instant, il est sur le bon chemin. Beaucoup de ralliements donc à prévoir dans les prochains jours, si on vous écoute de toutes parts pour Emmanuel Macron. On va terminer cette émission. Merci à tous, Thibault nous a épinglé, parce qu'on a été un plateau uniquement masculin avec Valentine, et tu avais bien raison de le faire. Je rappelle quand même que notre et nos contenus vidéo sont un contenu paritaire dans Mediapart, mais bon, en effet, là, pour ce plateau, en effet, ça n'allait pas, et on le reconnaît tout à fait, et tu as bien fait de l'épingler. Le dernier dessin peut-être de Thibault, pour terminer. Alors, comment ça va? Comme un dimanche soir de merde. Voilà, ce sera donc le mot de la fin. Merci à tous les quatre. À l'air libre revient demain. Demain. Continuez à parler des résultats de ce premier tour de la présidentielle de 2022. Bonne soirée.